Bonsoir, bonsoir, bienvenue, bienvenue dans Console Mania, bienvenue dans le 29e épisode de la saison 9. Ce soir, on continue notre cher Castlevania Bloodlines. On va d'ailleurs, je pense, le terminado. Oui, dès ce soir, ça y est, on a démarré, on va tout terminer tellement vite. Ouais. Moi, je suis jaune. Je comprends pas, je suis jaune. Bref, c'est pas grave. Je suis jaune. Ah là 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 là. Ah bah tu tombes parfaitement bien, Yellow. Tu tombes parfaitement bien, car il faut absolument que je discute avec toi. J'ai quelque chose d'extrêmement important à te dire. C'est plus important que tout ce que j'ai pu te dire jusqu'à maintenant. C'est faux. Et on est pressé, Monsieur Citron. Je confirme que j'avais terminé le jeu. Le boss pourri m'a surpris. Ouais, le boss était vraiment pas ouf. Bon après, heureusement que le boss était pas ouf parce que j'avais que 200... Non, j'avais 300 secondes. Je sais plus, mais j'avais très peu de temps pour partir. Alors heureusement que le boss... avec tes zéros, quoi. Heureusement. Mais oui, Zillion, c'est terminé. Je suis content. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire à part que comme j'ai dit en stream, mais je vais le redire vu que ah bah non, je vais attendre que Yoritomo arrive en fait pour le redire. Je vais attendre que Yoritomo revienne. Mais bon, je suis content qu'il me l'a donné finalement, qu'il me l'ait donné, voilà. Alors, photo password, parce que, là, on joue à un jeu Mega Drive, mais je n'ai toujours pas de, save state, parce que c'est le jeu, c'est le vrai jeu, c'est la vraie cartouche, j'ai la vraie cartouche. Et la vraie cartouche. Je vous ai dit que j'avais la vraie cartouche. J'ai la vraie cartouche. La vraie cartouche. Hop. Dans une vraie Mega Drive. Oh non, non. Et puis quoi encore? Non, non. Bah si c'était dans une vraie Mega Drive, t'aurais pas cette qualité vidéo. Hein. T'imagines bien. Et re pour... Ouais. Donc. On est au niveau 3. Niveau 3 sur 5. Donc autant... Voilà. On est en mode difficile. Enfin, avec le perso le plus mauvais. Et mais ça va. T'inquiète, je vais bien. J'ai une cartouche dans une PS5. Et Yellow, il faut que tu m'écoutes. Sylviette, écoute-moi bien. J'ai joué 25 minutes au jeu interdit. Voilà, donc j'ai joué 25 minutes au jeu interdit. Et je ne sais pas ce que ça donne sur plus longtemps. Mais... si tu as joué à 25 minutes, tu as sûrement joué 25 minutes, voire peut-être 30 minutes à Returns. Écoute bien, c'est la même putain de chose. Voilà. Certes, il y a un truc en plus, tu verras bien. De toute façon, c'est demain, donc tu verras bien. Mais... c'est la même chose. Et quand je te dis que c'est la même chose, je suis surpris qu'ils aient réutilisé tout jusqu'à le design des portes. Voilà. Donc vu que t'avais l'air de ne pas te plaire sur Samus Return, voilà, vu que tu préfères Metroid Fusion, sois prévenu. Par contre, je te promets que si demain soir tu viens sur le Discord pour nous dire que c'est le meilleur jeu, je t'enferme dans un channel exprès pour toi et j'appelle ce channel
le mensonge. Voilà. Et tu vivras dans le mensonge. La blague, vivre dans le mensonge, vous l'avez? Je vais me faire rire tout seul, allez, c'est parti. Merci! Merci, 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 merci! Merci, c'est vraiment exceptionnel. Je suis extrêmement content de cette blague. Alors non, j'ai dit que j'avais du mal à appréhender le gameplay de différents, mais pas que ça ne me plaisait pas. Alors, bien entendu, je vais relire pour être sûr, parce que si ça se trouve, ce qu'il a dit... voilà, je fais comme ça quoi. Alors, qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il a dit... Quelqu'un va me tomber dessus, mais j'ai du mal à accrocher à Samus Return pour l'instant. J'ai du mal à accrocher à Samus Return pour l'instant. J'ai du mal à accrocher. J'ai du mal à accrocher, quand même, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein? Voilà. C'est... Voilà, c'est quand même... Hein? C'est... Bon, on peut pas faire plus clair. Voilà. Donc bon. Hein? De quoi t'es dans la troisième zone? Je comprends pas. Hereax. Mais... T'as pas arrêté le jeu? Je comprends pas là. Je vais mourir. C'est sûr. Oh! Sur le gong. Bah non, j'ai continué, j'aime beaucoup. Donc, si j'ai bien compris, le mec il décide il y a 2-3 semaines de faire tous les Metroid. Ou en tout cas de jouer à Metroid. Il fait Metroid 0, Mission 0, il fait Metroid 2, il fait Fusion, tout se passe bien dans sa vie, à part le fait que Metroid 2 sur Game Boy, ben, c'est un peu compliqué. Et il a failli l'abandonner. Moi je lui dis, joue à Samus Return, joue à Samus Return, vraiment, jeu exceptionnel. Je suis sûr et certain d'avoir lu sur le Discord, clairement, qu'il n'avait pas spécialement envie d'y jouer. Cependant, il fait l'effort et décide de lancer le jeu. Il décide d'aller chercher un émulateur et de lancer le jeu. Parce qu'il n'a pas de 3DS. La 3DS, il n'en a pas. C'est pas grave. Je ne fais que dire que Samus Return est un jeu exceptionnel de par juste l'évolution qui l'amène par rapport au gameplay de Fusion, de Zero Mission et bien sûr Super Metroid & Co. Et que moi personnellement, je n'ai plus du tout envie de revenir dans Fusion de par, et bonsoir Alta, de par ce que j'ai vécu dans Returns. Monsieur Yellow Croc teste Returns. Déjà, bien sûr, il n'est pas d'accord avec moi vis-à-vis de Fusion. Il a l'air de dire que non. Moi, je trouve Fusion un peu, enfin, malheureusement, du coup, un peu plus lent. Et j'ai du mal à viser parce que tu peux tirer qu'en diagonale. Enfin, bref, c'est pas le même gameplay. Bon, de toute façon, on a évolué quand même depuis. Vous savez, on a trouvé l'élect... on a découvert l'électricité. Bref, c'est Mikalios. Et là, il teste Returns. Et il a... Certes, il dit pas que c'est de la merde. Mais, tu vois, il est en mode... Tu vois, il fait la mou... il fait comme ça avec sa bouche, là, et il est... Pff, bof, quoi. Il est pas saucé, mais... Bof. Voilà, bof. Et là... Maintenant... Maintenant, alors qu'il est à jouer, il change du tout au tout, hop, 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 il remet une autre chemise, en mode, hop là, tu vois, hop, vous ne m'aurez pas,
Et il arrive comme ça, en étant tout à fait normal devant moi, et il me dit, non mais j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que j'aimais pas. Donc en gros, si t'écoutes Cielo, c'est moi qui est fou. C'est moi qui dis des bêtises en fait. Je mens. Je vous mens et ce qu'il dit, ce qu'il a dit, c'est moi qui l'ai inventé. J'ai tout inventé. J'ai tout inventé. J'invente tout. Tout. J'invente. Vous entendez? Hop. Tu nous mens, je vous mens. Comment je peux pas ne pas aimer? Mais non, mais après, non, mais tu as plus, il fait exprès. Il fait exprès. Il fait exprès. Tu m'as dit que tu n'as pas accroché et que tu n'étais pas d'accord avec avec ce que je disais de Returns. Moi, je te dis que ce chat à l'empante. Exactement. Je te dis que Returns est la digne évolution. Enfin, la digne évolution. Je trouve que. Ah mais attends, mais c'est pas la même chose là? Bah oui, vu que t'as pas le même perso. Ah. Oh. 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 Exceptionnel. Je te dis que Returns, c'est la digne évolution de Fusion et que après Returns, il est très difficile de revenir dans Fusion. Tu n'étais pas spécialement d'accord avec moi. Donc bon bah certes. Et ça a pas l'air de t'extrêmement te plaire. Je lis en même temps ce que tu dis. Hein. Et c'est compatible avec ce que je dis. Oula! Oh là là! Attention le jeu, hein. J'ai pas envie de vomir. Mais ton discours change. Ah, j'ai besoin du Rétomo. J'ai besoin d'Axeran. Non, Axeran! Axeran! Axeran, tu es l'homme de la situation. Est-ce que c'est moi qui est fou? Tu sais, Axeran, tu as le droit de dire que c'est moi qui dis des bêtises. Et dans ce cas-là, bah, bah, dans ce cas-là, je dirais, bah, je dis des bêtises. Mais là, j'ai un doute, là. Trop bien vert. Ouais. Bon, il se passe rien après. Oh non! Oh, pff. En fait, on s'en fout. Il y a le miroir qui tue tout le monde, mais personne. Moi, je dis ça et j'ai failli mourir. I beg you! Ah là là. Xeran n'est pas là pour me sauver. Franchement, sans chercher les termes exacts, avant que là tu dises ce que tu es en train de dire comme quoi c'est la plus grande évolution, tout ça, t'as été hyper, hyper frileux. Me dis pas le contraire. Et tu m'as pas cru une seule, t'as pas voulu me croire une seule seconde. Et c'est pas grave, c'est juste que. C'est juste que j'ai pas envie que tu me dises, mais Sapin, en fait, tu as raison. Tu avais raison depuis le début. C'est pas ça. C'est juste que c'est pas la première fois que tu fais le coup de. Non, non, mais j'aime pas. Enfin, pas j'aime pas, mais. Non, non, bof. Et puis après. Bah, non, pas bof, mais. Que tu me crois pas. Voilà. Et je suis triste. Mais pas te croire sur quoi? Mais tu m'écoutes ou pas? N'écoute pas. Je suis sûr que tu m'écoutes pas. Comment je m'appelle? Oh. Oh, bah là, c'est là-bas. Comment je m'appelle? C'est pas du tout le même niveau. C'est trop bien. J'avais dit.
que avant, quand tu étais en train de faire les Samus, je te dis que Samus Return, il fallait absolument que tu y joues. Et avant que tu y joues, et avant que tu décides finalement d'y aller, d'une, t'étais pas chaud, et de deux, je crois me rappeler, maintenant j'ai des doutes de toute façon, je doute de tout, je crois que me rappeler que tu m'avais bien dit, oh, bah j'ai joué à Metroid 2, pas besoin de le refaire, et en plus je vais, je crois pas besoin, et je crois que je m'étais extrêmement, j'étais extrêmement frustré parce que le mec il dit, je vais pas faire Metroid 2, mais à M2R, il n'y a pas de problème. Enfin, ASMR, moi j'appelle ASMR l'autre. Et tu vois, j'avais mal au cœur. Mal au cœur. Très mal. Non, j'ai appuyé sur le bouton saut. Oh non, par contre, sapin, fais pas ça. Oui, je me parle à moi-même, je me dis non, stop là. Mais les démarches, oh, les démarches de mettre un émulateur, s'il te plaît. Ah non, mais c'est même plus la flemme, là. Citra et les ROM, c'est 3DS, c'est autre chose. Oh. 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 Au lieu de mettre 10 minutes, ça en met 20. Allez. 20 pour jouer à un des meilleurs Metroid, alors que le mec il voulait faire tous les Metroid. Eh ben. Voilà, donc de toute façon je l'avais call. Dans ma tête, je m'étais dit, tu vas voir. Demain, il va jouer à Metroid Dread, dire que c'est le meilleur jeu. Par contre, il aura dit pendant 2 semaines que Returns bif bof. Enfin, pas bif bof, mais voilà, il était pas chaud, frileux, tout ce qu'on veut. Et là, demain, Dread, ça va devenir le meilleur jeu. Voilà. Et je vais être en mode, bah yes. Impression de... Bah l'envie de canner, quoi, tout simplement, ouais. L'envie de canner. Je me gosse même pas, maintenant je me canne, ça veut rien dire. Alors, j'ai compris ce qui... Voilà. Je deviens une canne. Je suis une canne. Non, mais bien sûr qu'il peut changer d'avis. Mais en fait, le problème avec... C'est ça, c'est... Alors, parce que... C'est déjà arrivé que Clofab, un jour, il me dise... Ouais, non, mais c'est pas grave. Tu sais, il peut faire... Enfin, il fait ce qu'il veut. Oui, mais c'est pas le problème, en fait, de faire ce qu'il veut. Yellow Croc, il a la maladie de... Dès qu'il y a un truc qui est juste devant ses lèvres... il balance tout de suite. Il réfléchit pas... À peut-être éviter de balancer son avis à chaud. Non, il est en mode clac. Et comme il est en mode clac, parfois, même très souvent, quand il va écrire un message sur le Discord, bah, je veux dire, quand t'es en train de balancer toutes tes takes, qu'elles soient pétées ou non. Voilà, c'est... Et salut Alfie, bonsoir. C'est un peu difficile à gérer, hein. Voilà, ce que j'essaie de vous dire, c'est que parfois, Yellow, il est un peu difficile à gérer, hein. Voilà. Et ce qui est un peu relou, c'est qu'en plus d'être un peu difficile à gérer, quand il change d'avis, il fait comme si rien ne s'était passé. Il est même arrivé, et je prends l'exemple de Pokémon Unite. Il est même arrivé Day One d'être en mode pire jeu de l'univers. Et pour, enfin non, l'annonce du jeu pire jeu de l'univers Day One, c'est trop bien. Et je suis toujours, je fais comme toi, je donne des avis au fur et à mesure et forcément c'est voulu. Alors, ça par contre, attention Yellow, attention, jamais, tu m'entends, jamais, je suis en mode avis à chaud, c'est de la merde ou avis à chaud, meilleur jeu. Généralement, et je souhaite
toujours être le plus nuancé possible. C'est mon indo. Certes, il m'arrive d'être, voilà, il m'arrive d'être un peu cassant plus facilement avec des jeux, avec certains jeux que d'autres. Mais je refuse d'être noir ou blanc parce que ça amène que des problèmes. Je crois que tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte. J'ai besoin de me concentrer. Ah non. Ah, hop. Tu sais que, enfin, Yellow, ça fait quand même un moment que t'es sur la chaîne. Bon ben voilà quand même. Je veux dire, s'il y a des clips de toi, s'il y a des moments où limite je suis en train de parler pendant 3 heures parce que t'as dit des trucs. Si vraiment j'avais faux sur toute la ligne, franchement, il y aurait quelqu'un qui m'aurait déjà dit, mais Sapin, tu peux pas arrêter d'être. Enfin, c'est gênant. C'est gênant. Non, parce qu'en fait, voilà, tu dis de la merde là. Bloodline, c'est un des plus cotés de l'AMD? Ah bon? Comment ça, Emo? Hein? Tu crois? T'es sûr? Genre tu veux dire que non non c'est mytho. Non 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 c'est mytho mytho mytho. Non mytho mytho. Ça coûte pas cher. Doit pas coûter cher. Impossible. Non parce que sinon je l'aurais pas en boîte. Non, non, mais écoute rien. Oh, mais dis pas des bêtises! En physique? Genre, tu veux dire que le fait d'avoir ça, ce bout de plastique là, cette croûte, cette croûte, ouais, ça coûte 200 balles? Ça? Non. Ah ouais? Poubelle, hein? Mais donne-moi un site avec des cotes, avec des vraies cotes, pas eBay. eBay, il y a tout et n'importe quoi. Hop. Vous avez pas l'impression que, en fait, j'ai dit quelque chose, j'ai parlé là, et que Yellow, il a fait comme si rien ne s'était passé, et il a balancé un autre message pour faire genre, on passe à autre chose? Et que c'est pas la première fois qu'il m'a fait ça? Et que là, il va me dire, bah j'ai rien à te dire. Le fameux, bah j'ai rien à te dire. On dirait mon frère. Mon frère parfois il fait ça. Mon frère quand il sait qu'il a tort, et quand il sait que enfin il a pas envie de discuter, il répond plus. Quand je lui envoie des messages. Et parfois du coup ça m'est déjà arrivé de dire ouais enfin Dylan s'il te plaît. Et il me dit pas j'ai rien à dire mais il me dit je sais pas. En fait Yellow c'est mon frère. Non, je pense pas. Je joue à Samus Return, ton jeu parfait là. Voilà, et voilà, regardez, regardez, il prend la mouche là. Le mien, il cote en PAL, pas en US. De quoi le tien, il cote en PAL?
C'est la version Genesis que tu as en plus. Donc pas la même cote. En France, il se vend plein de cartes mod de ce jeu. Bah, j'ai la version Genesis. Voilà. Mais c'est pas un jeu PAL, du coup. Du coup, là, je crois qu'Emo, il vient de nous dire que en fait, il n'y a que la version PAL qui coûte cher. Oui, hein, il est marqué Genesis. Hein. Mon site pour les prix. Vas-y, 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 hein, je t'écoute. Je t'écoute, je t'écoute. Sur Dragflow. Mais c'est bon, Yellow, c'est bon. Ta réaction est parfaite, c'est bon, je suis content. Je suis content. Voilà, j'ai eu ma réponse. Tu m'as. Voilà. Tu as réagi pile comme je souhaitais. Ça y est, parfait. Enfin, pile comme je souhaitais. Tu as réagi, je prends l'info, c'est bon. Demain, tu pourras dire ce que tu veux. C'est parfait. C'est parfait. Au final, je me suis encore fait bait. Voilà. Bien fait pour Malogueux. Ça m'apprendra à vouloir discuter. Tu veux que je te dise quoi? J'ai jamais écrit que c'était nul. Oh, mais j'ai jamais dit ça. Oh là là. Oh là là. Oui, tu as raison. C'est moi qui ai mal interprété. J'ai tout compris de travers. C'est très souvent comme ça. Je comprends tout. Non! Mais je suis mauvais en plus! Moi, je vois 127 $, 150. J'ai encore le manuel. Oui! Attends, mais j'ai tout! J'ai un petit papier Konami of America pour avoir un reward. J'ai le manuel avec bah, tout. En très bon. Franchement, il est en bon état. Hein. Il est vraiment en très bon état. Et j'ai. Hop! J'ai un poster! J'ai un poster d'un jeu pas ouf. J'ai un poster de Lethal Enforcer. Jeu pas ouf. Enfin, jeu pas ouf. Que j'aime pas trop. Hop, voilà. Et derrière, eh bien, il y a des infos sur Rocket Knight Adventures. Le Tortue Ninja Hyperstone Heist. Le Tortue Ninja Tournament Fighter. Le Tiny Toons. Ah, il est pas mal, Tiny Toons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et ah oui, Zombies Ate My Neighbors, le pire jeu de la Mega Drive. Un des pires jeux de la Mega Drive, bien sûr. Pire jeu. Je pense que si tu le dédicaces, on monte le prix à 800 de... Yes! Yes. Eh bah, trop bien! Trop bien! Trop bien, trop bien. Bah, je vais le garder et je vais faire attention. Et sur ton site d'Argus là, tu peux me donner ton site d'Argus pour que je vérifie l'Argus d'un jeu que j'ai là. J'ai un autre jeu en boîte là. Mais je pense que l'Argus elle doit être à zéro. Mais juste vérifie. Pire jeu vu les vidéos de Rempart, que je me suis tapé pas sûr. Bon, pff, Rempart maintenant c'est terminé hein. Moi je suis passé à autre chose hein, tu sais. C'est quoi le jeu? Rempart. Rempart. Ça. Rempart sur Genesis aussi. C'est la version. C'est pas la version PAL. Je sais pas si c'est la version. Non, c'est la version NTSC. Et j'ai tout dedans aussi, hein. J'ai tout. Ouais, j'ai tout. Rempart, il est pas cher. Quel dommage. Quel dommage. Truc de boomer, les. Oui, bah oui, boomer, ouais. Truc de boomer. Ça vaut même pas le prix de la matière première. Ça va, quand même, non? Ah, mais c'est vrai, je te parle plus, toi. Je te parle plus. T'es plus dans le chat. Et Doom Troopers, c'est de la merde. Je l'ai revu sur Mega Drive et je me suis dit, est-ce que je le fais? Je te parle plus!
Non! Plus mon copain. Oh. Mais c'était une autre époque, Axeran, en fait. C'est ça qui va pas. C'était notre époque, là. Je l'ai refait, hein, rempart, hein. Et j'étais pas dans cet état, hein. Zillion 2 est pas cher non plus. Vous connaissez pas. Bah Zillion 2, vu que Zillion 1 ça s'est bien passé, pourquoi pas essayer, hein. Hop. Faites-vous un bisou. Jamais de la vie. Jamais parce que... Jamais parce que... Il est parce qu'il veut absolument avoir le dernier mot. J'aime pas les gens qui veulent absolument avoir le dernier mot, ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc pas de bisous, rien du tout. Faites-nous un bisou. J'aime pas les gens fiers. C'est nul. Oh. Oh. Je suis désolé, hein, si vous êtes fiers. Je suis désolé. Je suis désolé, mais j'aime pas. Mais c'est beaucoup plus difficile en fait. Ah mais je vais jamais finir le jeu en fait. Jamais finir le jeu. Jamais de la vie. Alors par contre le password qui se sauvegarde pas, bon, je m'excuserai mais c'est un peu nul. Bon, il est pas long à noter. Je suis au boulot, mais je t'envoie ça quand je peux. Pas de soucis. Pas de soucis, moi. Oh, ça veut dire que j'ai un jeu qui coûte cher. Bon, par contre, ça, c'est stylé, hein. Enfin, qui coûte cher. Ouais, il coûte cher, oui, si. Par contre, je fais n'importe quoi, là. Mais, non, mais vous vous rendez pas compte? Enfin, je crois que je me rends pas compte. Le fait de jouer avec un perso qui est moins... Qui est... Bah, le fait de jouer en difficile, ouais, on peut dire, ouais. Faut vraiment que je me calme. Ouais, elle penche vachement, ouais. Tu payes tes factures avec, quoi. Ouais. Bah, si quelqu'un veut bien me vendre son Metroid Dread là, la version collector, vas-y je l'échange contre. Par contre, oh là là. Par contre, pour aller chercher l'émulateur Switch là, mais non mais après je fais exprès aussi. Pour aller chercher l'émulateur Switch, il a fallu aller sur des Reddit, bon pas très Lego, on va dire. Foi, je veux dire, de la mauvaise foi, j'en ai vu, hein. Bah, j'en ai vu. Des yellow, j'en ai vu, hein. Mais alors, là, c'était pas mal. J'ai plus de vecteur, je t'avoue. Là, c'était... Oui, mais... Oui, alors. Sauf que... C'est open source, mais faut récupérer
Faut récupérer une clé spéciale qui est dans ta Switch, mais j'imagine qu'il faut que ta Switch elle soit à coup pour que pour pouvoir faire pour pouvoir lancer des jeux commerciaux, je pense. Plus bah les dumps. Ouais, je peux pas prendre ma cartouche et la mettre dans mon PC, hein. Voilà. Donc il a bien fallu. Il a bien fallu. Voilà. Hein? Et du coup, sur les forums où j'étais, ce qui est drôle, c'est. T'as toujours un mec qui te dit. Ouais, mais même pas besoin d'acheter une Switch. Moi, je prends tous les jeux Day One sur un site, quoi. Et j'y joue 60 FPS 4K. Aucun ralentissement, rien du tout. Et je me dis, ouais, mais attends. Il marche si bien que ça, l'ému? C'est bizarre. Donc je lance. Je me dis, bah, je sais ce que je vais faire. Avant, vu que c'était compliqué. Je me dis, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un jeu que j'ai déjà, et je vais tester. Et un des jeux auxquels j'ai beaucoup joué dernièrement, c'est Mario Odyssey. Donc je prends Mario Odyssey, je prends la version totalement légale. J'ai le jeu, hein, j'ai acheté le jeu, dans un sens. Donc c'est légal. Je prends la version totalement légale, je le mets sur l'émulateur. Et je lance l'ému. Et ce qui est drôle, c'est que. En fait, c'est ça le problème. Oui, certes, le jeu tourne en 4K. Enfin, il est rend. Enfin. Ouais, il tourne en 4K, ouais. Donc finalement, en fait, j'ai un peu la Switch Pro, si vous voulez. Mais. C'est fluide, mais. En fait, c'est pas que c'est pas. Enfin, comment dire? C'est pas que c'est pas fluide, c'est que. Tu sens qu'il y a des petits. Il y a des tout petits ralentissements, mais ils sont mi. Enfin, c'est vraiment tout petit. Et c'est assez relou pour que ça soit jouable, mais tu fais pas le jeu comme ça. Tu fais pas le jeu comme ça. C'est pas possible. Et si tu décides vraiment de t'embêter. À bidouiller, avoir un gros PC, machin, tout ça, franchement, autant t'acheter une Switch. Hein. Ça, autant achète-toi une Switch Lite et puis voilà. Parce que là. Ouais, après, si t'aimes bidouiller, tu vois, c'est cool. Ça, il n'y a pas de problème. Mais là, je réagissais vis-à-vis de ce que j'ai lu sur les. Sur le Reddit sur lequel j'étais. Parce que là, Dread, oui, certes, j'y ai joué, mais j'y ai joué. Alors, écoutez-moi bien. J'ai pas les cinématiques. J'ai pas les. Oui, donc j'avais pas les cinématiques. J'avais pas le début de l'histoire. Les cinéma il y a une cinématique in-game du début, elle lag. Il y a une sorte d'intro, il y a une intro après la cinématique de début. Je suis pas sûr qu'elle soit complète. Et dès que il y a des changements d'angle de caméra, l'ému il est en mode attends, je prends mon temps. Donc j'en suis sûr que tu peux faire le jeu à 100% en ému. Mais l'expérience que tu vas en avoir, elle est tellement. C'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Et certes, bon bah, c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant que ça soit jouable en émulation. Alors que moi, je trouve ça impressionnant qu'une console comme la Switch soit. Enfin, qu'il y a des gens qui travaillent sur un ému. Et très bien. Mais ce qui me fait tiquer, c'est juste que. Bah, alors peut-être qu'il y a certains qui ont bidouillé, qui ont un très gros PC, voilà, mais ça doit être une portion minuscule
Ça doit être minuscule. Tu fais juste quelques captures vidéo pour faire parler les gens, ouais. Bah, je fais une capture là. Bah, d'ailleurs, si vous. Y a des bugs graphiques aussi. La capture que j'ai mise sur Discord, elle est toute petite. Il y a une raison. Il y a une raison pour laquelle elle est toute petite. C'est que la portion que que j'ai capturée, bah, il n'y avait pas de bug graphique. Donc bah, voilà quoi. Regardez, sur 3 pixels, le jeu fonctionne! Non, par contre, c'est. C'est stylé! Ça, y'a pas à dire, c'est stylé. Mais bon, si je veux jouer à Metroid Dread, j'achèterai le jeu, hein, c'est tout. Y'a pas de. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté les. L'émulation logicielle, hein, dans un sens. Hein. Parce que. Parce que. Pas parce que, c'est... Pas parce que c'était zéro. Mais. Parce que. Quand tu veux jouer à un jeu. Bon, ça dépend les émus, hein. Attention, hein. Les anciennes consoles, ça va. Et encore. Et encore, il y a un truc avec. Enfin. Il y a un truc dont on parle pas beaucoup. Mais je finis d'abord ma phrase avant de dire ce dont on parle pas beaucoup. J'ai arrêté parce que dès que tu veux jouer à certains jeux, bah ça fonctionne moins bien. Ou alors bah tu vas avoir des bugs, que ça soit graphique ou non, hein. Et bah c'est relou. Rien que même pas streamer, rien que jouer. Et le vol oui, mais avec une console à 300 balles. Je parle des émulateurs, je parle pas des jeux. Mais non, il y a autre chose. Ouais, il y a les manettes aussi. Bon, après, ça c'est. Il y a des gens qui veulent pas jouer avec les anciennes manettes. Hein. Mais non, par contre, avec l'émulation, et ça, je peux donner ma. Je peux donner ma. Comment on appelle ça? Mon expérience. Et en plus, je peux donner mon expérience sur un nombre de jeux qui est quand même assez, assez massif. Quand je faisais Console Mania sur Gaming Live, les 200, 280, enfin j'ai fait 290 jeux, mais en fait non, il y a 290 jeux qui ont été terminés, mais j'ai pas fait 290, j'ai dû en faire 250 parce qu'il y en a 40, c'était pendant, soit c'est pas moi qui les ai faits, c'était c'est Ken et MV, soit c'était pendant des marathons et c'est pas moi qui ai joué, voilà. Mais sur les 250 jeux auxquels j'ai joué, il y a une part non négligeable, il y a une part non négligeable des jeux sur lesquels j'ai eu des freezes ou alors des pas des OB mais des softlock. Voilà, je me rappelle pas avoir été hardlock, mais des softlock j'en ai eu souvent. Quand je dis souvent, c'est pas 200 sur 250, mais une trentaine, ça serait pas choquant. Surtout sur les 2 ans. Hein. Donc c'est pas si. Sachant en plus que je jouais 4 à 5 heures par jour, ça va. Mais, quand tu y réfléchis bien. Enfin, quand tu y réfléchis bien. Avec le FPGA. Alors, c'est pas la vraie console, donc non plus, c'est pas exactement la même chose. Mais avec la Mega SG, je crois que ça a dû arriver quoi? Une fois? Même pas? Je suis même pas sûr que ça soit arrivé. Ça a dû arriver une fois. Ça a dû arriver une fois. Alors, par contre, il faut bien jouer là. Ça a dû arriver une fois et du coup, voilà. Toi, quand t'entends dire oui, ah moi j'ai vu ce streamer, il softlock les jeux, waouh. À l'époque, ah. À l'époque, les jeux rétro, c'était des passoires. Ah, tu sais, ça vient peut-être parce que. Oh non, ça vient peut-être d'autre chose. Hein. Peut-être de du matériel. Enfin, pas du matériel, mais de ce qu'il utilise. Et c'est difficile de s'en rendre compte. Quand je joue très mal. Hein. Je joue très très mal, vraiment.
Non mais vraiment. Mais vraiment! Est-ce que vous pouvez arrêter cet homme? Voilà. Après les émus 100% accurate, c'est clairement pas encore le... Oui. Mais je veux dire, j'ai utilisé... je sais plus quel ému j'utilisais pour la Mega Drive. Je sais plus. Je sais même plus ce que j'utilisais, tiens. Après, ça fonctionnait, hein. Ah, d'accord. Il change de... Ok. C'est pour ça que j'ai du mal. Mais c'est tellement plus facile avec... avec l'autre perso. Mais c'est tellement plus facile. Et quand je te dis plus facile, mais... Le jour et la nuit. Je peux peut-être le faire, mais... Bah c'est 100% accurate sans souci, je suis pas sûr, hein, le sans souci, hein, Axeran. Parce que c'est ce que j'essayais d'expliquer. Non. Non. Oh ouais. C'est bon. Ils sont pas difficiles, ces boss-là. Ah. Bah ça fait un moment, je crois pas que... Je crois pas que l'ému, il ait dû être... mis à jour enfin il a ouais je sais pas hein. je sais pas. Hop. Allez. Par contre, je crois que le password, c'est un password de ses morts. Vous savez pourquoi c'est un password de ses morts? Je crois qu'il sauvegarde le nombre de continues que j'ai. Et s'il sauvegarde ça, ça veut dire que je peux être loin dans le jeu. Mais zéro continue, zéro vie. Et comment te dire que zéro continue, zéro vie? Je suis pas sûr, hein. Pouette, pouette. Et sachant que là, je joue en plus difficile que d'hab. Enfin, avec un perso qui est plus difficile à manier. Hein, parce que c'est pas plus difficile que d'hab, parce que je suis en normal. Je sais qu'il y a un mode expert. Mais bon, c'est console manier. Enfin, bon. Hein. Le but n'est pas non plus... ah. Je me demande d'ailleurs si t'as toute la... Je crois que t'as pas la dernière phase du boss si tu joues un... Dans ce mode-là. Je suis pas sûr. Hein. Tu joues en salé. Non. Bah oui, parce que c'est un normal. Je m'énerve volontairement en prenant le pire perso. Non, parce que je l'ai jamais... Je le prends pas souvent. Enfin, je l'ai jamais pris, ce perso, en fait. J'ai jamais fini le jeu avec ce perso. Et j'ai bien fait, parce que j'ai eu un niveau différent. Paf! Bon, par contre, un niveau plus difficile, quoi. C'est un bait nul. Et j'ai pris le bait nul.
Et BizHawk, c'est presque. Ah là là, voilà. Ah, les mots de passe. Oh, les mots de passe. Les mots de passe de fils de fils. Ah non, ça c'est pas bien, ça. Faut que je laisse. Faut que je laisse le jeu là? Ah, ça c'est typical Castlevania. Typical. Mais on avait peut-être pas les PC pour faire tourner sans lag. Je sais pas. Peut-être, hein. Mais enfin, maintenant c'est plus un problème. Vu que j'utilise un appareil à 300 balles, comme El Santana s'il a dit. Pire perso, pire jeu. Bah du coup, je suis un peu biaisé là. Est-ce que je vais devoir recommencer le jeu? J'en ai bien peur. Ouais. J'en ai bien peur. Est-ce que ça me dérange de recommencer le jeu? Pas du tout. Mais alors, mais tellement pas. Je crois que je serais prêt à recommencer le jeu. Et même. Et même, je dirais. De recommencer le jeu deux fois. De quoi encore en train de râler? Hein? Comment ça? Et en plus, tu me demandes si j'avais pas des mots de passe? Hein? Donc en plus. Mais attends, il m'écoute. Bah, Lorient? Bah non, pas toi! Pas mastin que ça explose vraiment. Ah bah peut-être que. Non, ça fait. Oui. Ouais, moi je m'y connais pas hein, trop hein, tant que ça hein, en ému que ça soit matériel logiciel et j'avoue totalement sans aucun problème que ah non ah oh, j'ai voulu le faire en plus. Bah si je t'écoute, mais si tu lis ce que j'écris 3 minutes après tes réactions, ça va pas le faire. Bah ouais. En plus, c'est encore ma faute. Bon, on va recommencer le jeu. C'est encore ma faute! Ah, encore ma faute. C'est encore ma faute! Ma faute, ma faute, ma faute, ma faute. Allez, on recommence tout le jeu! Fait plaisir. Bon, après, le jeu est pas compliqué, donc ça va. Bon, par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est peut-être de pas essayer d'engager tous les ennemis. Il y a des ennemis que tu peux passer à travers. C'est pas très grave. Et puis, éviter de bourrer, ça serait cool, ça aussi. Seul que j'utilise pour tester le jeu avant l'achat en physique, c'est Home Station. Alors, oui. Alors pour tester avant des achats en physique, oui. Mais alors Home Station, vu que c'est juste un agrégateur de d'émus, bon, je suis pas sûr que ça soit. C'est pas bon, c'est pas fait pour être accurate en fait. Mais oui, de toute façon, là, vu ce que tu dis, toi, tu t'en fous de la que ça soit accurate. Tu veux juste savoir si le jeu est sympa et. Hop. Et si le jeu il est cool, bah tu peux te l'acheter, quoi. Enfin, tu cherches à l'acheter. Voilà, ouais. C'est pour tester OSEF. Je sais que personnellement, moi je peux pas me permettre d'acheter les jeux.
d'acheter tous les jeux auxquels je joue. Ça, c'est sûr et certain. Alors, il y a des gens qui le font, hein. Mais et c'est extrêmement simple. Si je faisais ça, je devrais juste arrêter de streamer. Voilà, c'est tout. Ah, j'ai disparu. Hop. Impossible de... Impossible. Faudrait faire un sorte de cloud de partage de streamer où chacun peut proposer ses jeux. C'est-à-dire que comme ça personne paye. Et c'est qui commence à payer? Parce que du coup bah... Enfin faut bien qu'il y ait au moins une personne qui paie. Donc ça revient un peu au même. Les streamers millionnaires. Alors je suis pas sûr que les streamers millionnaires ils souhaitent partager comme ça leur bibliothèque de jeux. J'ai un doute. Bah non. Puis en plus, ils sont obligés d'acheter mes jeux moyens. Je sens qu'il y en a qui vont faire la gueule. Hein. T'achètes un jeu, tu partages avec 10 personnes. Bah oui, mais du coup, ça veut bien dire quand même qu'il faut que... Enfin, le problème avec ça, c'est qu'il doit quand même avoir une personne qui achète le jeu, quoi. Tu deviens pas millionnaire en partageant, c'est vrai. Du coup, ça va pas. Non mais le problème... En fait, le problème, il y en a pas. Le problème, c'est qu'il y en a pas. C'est que, normalement... Voici comment ça se passe. Si tu veux faire un jeu... et que tu n'as pas l'argent pour, normalement, ce que tu devrais faire, c'est bah, ne pas le faire. Voilà. Normalement, c'est la règle. C'est la règle. Voilà. Hein? Et si... tu es un streamer avec assez de thunas. Et ben... En gros, tu demandes aux éditeurs, développeurs, machin, quoi. Le problème de ça, c'est que... Le problème de cette histoire, c'est que pour avoir des jeux, faut déjà avoir de l'argent. Enfin, pour qu'on te passe des jeux, il faut de l'argent. Donc du coup, c'est un peu bête. Oh là là, je fais n'importe quoi. Donc du coup, bah, c'est un peu bête. C'est quoi la phrase « Chaque millionnaire est un échec politique » Quoi? Hein? Par contre, on voit plus rien chez moi. Parce que du coup, ça... Oui. Voilà, j'ai pas perdu de vie. Du coup, voilà. Très bien. Jeu en loose à moins de 30 balles. Oui. Oui.
Mais alors, je sais pas combien je fais de jeux par mois. Combien je fais de jeux par mois? Je me suis jamais posé la question. Je sais pas, une dizaine? Ah, ça doit dépendre. Peut-être une dizaine. Bah, peut-être pas une dizaine, non. Entre 5 et 10? Donc t'imagines, imaginons si les jeux coûtaient tous 30 balles. Si j'en fais, allez, on va dire, si j'en fais 10. $300 de budget par mois. Bon bah c'est terminé, hein. Après bon, le sujet peut être réglé très facilement, hein. Comme j'ai dit, bah j'ai qu'à pas en faire. J'ai qu'à pas en faire 10. Tu fais avec ce que tu peux et basta. Voilà. Du coup, bah, je pense que c'est ce qu'on va faire, hein. 300 balles à rembourser. Oui, non, mais bon. En vrai, le GS, les promos Steam, GeForce Now, il y a moyen de jouer à beaucoup de jeux gratos. Ouais. Oui, après, là, bon, on parle de. C'était par rapport au rétro. Mais. Bah, au pire, tu achètes le jeu et tu le revends. Sur eBay, ça part vite à bon prix. Ouais. Ouais, ouais. Donc t'achètes le jeu. Enfoiré, enfoiré. Oh, c'était pas là qu'il fallait aller. Allez, salut! Non, mais on recommence. Je meurs pas comme ça, moi. T'entends? Tintin? Qui voyage de streamer en streamer. Non, mais ça, c'est pas possible, ça non plus. Bah, si, ça existe, hein. Ça existe. Mais c'est pas légal. oui, les abandonware. Ouais. Oh, tu fais que des abandonware, la nuit. Après, je parle de rétro, hein. Moi, attention, hein. Je parle pas de jeux modernes. Comme je vous ai dit, les jeux modernes. Enfin, les jeux modernes. Les jeux d'actu. Vous me verrez rarement les. Vous me verrez rarement les à-coups. Hein. Tout simplement parce que. Enfin, en tout cas, je l'ai déjà fait, ça c'est sûr. Mais vous me verrez rarement le faire maintenant. Tout simplement parce que. Parce que quand je vais faire autre chose, je le fais pas. Puis je préfère demander aux devs. Dans un sens, c'est donnant-donnant. Hein. Je propose quelque chose, après lui, c'est à lui d'accepter ou pas. Hein. Il peut me dire d'aller me faire cuire. Hein. Arrêtez, allez avec la boîte com! Alors, je croyais que t'avais marqué la boîte com, pardon. Ou les boîtes com, ouais. Mais les boîtes de com, le problème c'est que. Moi, je suis désolé de dire ça, mais la plupart du temps, les boîtes. Enfin, les. Dès qu'il y a des intermédiaires. Mais en fait. Ouais, non, dès qu'il y a des intermédiaires, ça marche comme avec. Ça marche comme les intermédiaires quand tu cherches un appart. C'est relou. Voilà. Toujours mieux de passer en direct. Alors bien sûr, s'ils passent pas en direct, c'est bien parce qu'ils vont pas envie de s'embêter. Ou parce qu'ils ont pas le temps, ou parce qu'ils peuvent pas, ou parce qu'ils ont pas les ressources, bref. Mais en tant que potentiel joueur, si tu dois passer par une entreprise tierce.
C'est la biaise. Enfin, c'est souvent la biaise. Paf. Je te tue de dû. Bah, pour l'instant, ça se passe bien. Alors, j'ai dit que ça se passe bien, mais tu peux jouer normalement. Oh, je fais exprès. Non, mais là, le problème, c'est qu'il va avoir l'autre. Félicitations! Oh, merci, Ambrosia. Merci pour ton 73e mois. Qu'est-ce qu'il a dit, Guilla? Award of Honor, c'est pas non plus légal. C'est juste que si c'est bien géré par le site, tu as zéro risque d'être embêté. Comme plein de trucs illégaux. Hein? C'est-à-dire? Je peux en vrai. Bonsoir, t'as raté le procès qui, de qui ce soir? Mais y a pas de procès là. Ah, enfin, si. Y a Yellow encore qui a fait finalement. La... Voilà quoi. Qui a fait du Yellow, mais bon. Il a abandonné donc y a pas eu de procès. Voilà. Il s'est fait passer pour un fou. Donc y a pas eu de procès. Merde. Bah je suis mort. Est-ce qu'on accepte de perdre une vie? Bah il a plaidé la folie, ouais. Bah il est malin, hein. Allez, pour le début, j'accepte de perdre deux vies. Si je perds la deuxième vie, je recommence. Hop. Mais non! Oh là là, mais non, mais c'est bon. Allez, la deuxième vie est perdue. Mec, il fait exprès. Non, il fait exprès, je te dis. Je te dis qu'il fait exprès. Je l'ai vu. Je l'ai vu dans son regard. Il m'a regardé comme ça, il me dit, je vais perdre. Il m'a regardé, ce petit fils. Genre les zombini, ils sont en abonnement honneur sur internet, c'est illégal d'y jouer. Honneur, c'est pas légal en soi, les jeux qui sont quand même protégés. Honneur, en général, c'est juste les joueurs qui décident de partager un jeu parce qu'aucune boîte ne se préoccupe de la licence. Pour être légal, faut que ça soit mis en gratos et rediffusable par les ayants droit. Je reprendrai le jeu après Dread. Ah! Ah oui, d'accord. Bah, donc en gros, si je comprends bien, si le jeu il est pas disponible, que les ayants droit laissent tomber. Même si l'ayant droit a le. Enfin, l'ayant droit a les droits, bah oui, parce que voilà. Parce que il a. Enfin, les ayants droit, quoi. Et que. Bah, il s'en tape. Si il a plus envie que t'y joues, bah, t'y joueras pas. Enfin, c'est pas que s'il a plus envie, mais s'il a la flemme, il a la flemme. Et toi, bah, si t'as envie de jouer, bah, tu joues pas. C'est tout. S'il a décidé que tu joueras pas, tu joueras pas. Voilà. C'est pas genre. Ouais, non, je le sais. Hein. Bah, après, en tant que joueur, bah, c'est chiant. Mais bon. Et je crois pas que. Bah, si c'est à toi. Enfin, si moi je fais un truc et que je sais pas, ça a du succès, imaginons. Et que.
et que j'ai pas envie que les gens, pour une raison X ou Y, que j'ai pas envie que les gens ils y jouent. Bah oui, c'est vrai que. Ou alors qu'ils y jouent, qu'ils profitent ou quoi que ce soit. Bah. Normalement, j'ai le droit de faire ce que je veux. C'est ce que je comprends, hein. Ouais, il faut que l'ayant droit, il vienne te faire chier, ouais. Je pense que faut que t'aies des problèmes. C'est pour ça que parfois, il y a certains qui utilisent le terme toléré. C'est que il y a assez de gens qui l'ont fait et qui n'ont pas eu de problème, j'imagine, pour que ça passe. Et encore, je suis même pas sûr que ça soit la dev de tolérer. Hein. Je pense pas. D'ailleurs, je pense que non. C'est fou! Je le sais qu'il va me sauter dessus. Mais pourtant, hein, j'y vais. On sait jamais, tu vois. Je le sais! Je le sais pertinemment. C'est tant que l'entreprise a les droits sans balai, ouais. Mal de cas où c'est. Oui. Oui, je suis d'accord avec Sejouf. Je pense qu'il y a des cas où les mecs s'en foutent. Ils le savent. Ils pourraient faire quelque chose, mais ils le font pas. Parce que. Ouais, parce que flemme. Hop. Poupou! Le poupou qui passe. C'est exceptionnel. Tu peux taper dans le bon sens? J'ai un bidet qui a 25 ans, personne va engager de l'argent pour récupérer trois copinettes. Oui. Enfin, il y a beaucoup de situations où, en tant que joueur, quand tu joues à certains jeux avec lesquels. Enfin. Tu vois, l'émulation, personne te demandera. Enfin. C'est très rare que quelqu'un arrive sur un chat et te dit alors, tu l'as vu comment ce jeu? Mais tu veux dire, tu l'as le jeu là, hein? Comme personne viendra te dire ça, bon bah. Voilà quoi. C'est toléré. Mais c'est toléré? Mais en fait, non. C'est toléré, oui, mais non. C'est-à-dire que c'est toléré parce que toi, t'as pas eu de problème. Mais par exemple, quand j'essaye de chercher des jeux et que je cherche des jeux moyens. Sur des consoles. Enfin, ça m'arrive parfois de chercher par exemple des jeux PS2
des jeux bien obscurs et de pas en trouver. Et devoir me battre pour trouver un ISO qu'un mec a ripé à l'autre bout de la planète. Mais en fait, ça marche pas totalement. Et d'être en mode, bah voilà. Et c'est m'est déjà arrivé. Je sais plus quel jeu. Ça m'est déjà arrivé pour un jeu de me dire, bon, bah tu sais quoi, je vais l'acheter. Et si je voulais acheter le jeu, ça allait me coûter... C'est pas que ça allait me coûter cher. Dans le sens, le jeu, il cote beaucoup. C'est juste que la seule personne qui vendait le jeu était à l'autre bout de la planète. Et bon, bah... Ah, comment t'expliquer que... Bah bon, voilà. Bah c'est relou. Toi tu peux rien faire. Limite ça vaut plus le coup, c'est Albanet. Y'a que Koki qui est peinarde. Pourquoi? Ah elle achète tout? Ah mais les gens qui achètent tout de toute façon, les pires. Ça m'énerve. Je leur parle plus ces gens là. Hop. Oh. Ouais. Allez, très bien. J'ai pas perdu de vie. Cookie est donc riche, bien sûr. Après, Koki, elle fait quelque chose de fou. Enfin, non, Koki, elle a aussi... elle vit avec quelqu'un qui a des jeux aussi. Alors, je crois pas qu'elle... je crois pas qu'elle... Enfin, elle aime bien posséder, après. Ouais. Possède des thunes. Elle est à l'aise financièrement. Je sais pas, hein. Il y a aussi des jeux qui sont un peu perdus avec les boîtes qui avaient la licence qui ont disparu entre temps. Ouais. Oui, il y a ça aussi. Ouais. Allez. Hop. Un streamer franco-japonais filme la console avec le jeu dedans. Ouais, à la limite, et il joue. Kofi aussi, il émule rien. Ou que très rarement. Oui, je sais pas, oui. Puis je suis plus sur GL, je fais quasi plus émulation. Ah bon? Ah oui, bah oui, oui. Pas surpris non plus. Pas surpris. Pas surpris, pas surpris. Après, c'est tout à fait possible, hein. C'est tout à fait possible de jouer au jeu que de jouer au jeu que tu possèdes. Que jeu que tu possèdes. Voilà, c'est bon, j'arrive à parler. Je sais, hein, c'est pas... Ouais. Je suis assez content. Ouais. Allez. Donc pareil, on essaye de perdre moins de 2 vies. Donc bien sûr c'est mal parti. Très mal parti. Mais après il y a des gens qui font autre chose et moi ça j'aime pas trop parce que ça crée des problèmes. C'est t'as des streamers aussi qui proposent aux gens d'envoyer leurs jeux. Voilà. S'ils ont des jeux et tout, et bah envoyez-les quoi. Et ça, plus le fait qu'ils ont une collection. Moi je trouve pas ça très... Alors c'est légal hein. Je trouve pas ça honnête. Pas très honnête. Mais... Surtout que ça crée un peu ce côté
Dès que le streamer, on va dire, il est connu, tu vois, tu dis, ah, t'as envie que je fasse ton jeu? Bah, tu me l'envoies et bah, je le fais. Hein. Et après, hop, je le garde. Je trouve ça bof. Ça reste que mon opinion. Hein, donc, si des gens le font, ils font ce qu'ils veulent. Hein, pareil que des streamers reçoivent même des consoles. Oui, alors ça, c'est autre chose, ça. Ça, c'est autre chose. Jamais j'envoie un truc, t'entends? Jamais! Après, si tu t'en sers plus. C'est déjà arrivé de recevoir des jeux, hein. Ça m'est déjà arrivé. Après, le gros problème. Le gros problème, c'est que quand quelqu'un t'envoie un jeu, après dans ce sens, t'es obligé de le faire. T'imagines si Yoritomo et Yellow, ils m'envoient des jeux? T'imagines si Yellow m'avait envoyé Billy Hatcher? J'aurais cassé le CD en deux devant la caméra, j'aurais fait, bah tu sais ton jeu de merde là? Clac! Voilà, on n'y jouera plus! J'ouvre la fenêtre en live et je fais, hop! Mes avocats m'indiquent de préciser que je possède tous les jeux de la tondeuse dorée et que j'envoie une copie à chaque participant. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est Kiwi. En fait, j'y pense, ça sert à quoi de refaire les niveaux avec un autre perso? Ça donne un gameplay différent. Bah, t'as pas les mêmes niveaux. Enfin, on va pas se mentir. Hein? Est-ce qu'on est honnête? Est-ce qu'il faut être honnête? Oui. De toute façon, on est dans un marché concurrentiel, donc Twitch, dans le rétro également, et sachant qu'il faut le mieux possible se démarquer. Ben, disons que si toi tu te mets des limites que d'autres ne se mettent pas, alors bien sûr, hein, l'idée n'est pas non plus de faire n'importe quoi, mais si tu te mets certaines limites et à cause de ces limites, ben, tu vois, ça t'empêche déjà d'une de faire ce que tu veux. Enfin. Oui, normalement tu peux pas faire ce que tu veux, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Bon, il y a des contraintes qui sont difficiles de respecter. Qu'il est difficile de respecter. Ouais. C'est bon, c'est juste. Tu vois, par exemple, si demain quelqu'un se lance en stream et dit, bah moi je ne ferai pas d'émulation, ça veut dire que la personne doit avoir soit toutes les consoles, enfin soit les consoles qu'il veut faire, et s'il n'y a qu'une console, bon bah ça va. Mais en plus, il doit avoir les cartes de capture qui vont avec, l'équipement pour sortir le signal de la console comme il faut. Enfin voilà. Et c'est sûr que si en plus cette personne elle te dit, ah mais moi je fais pas d'émulation. Et personne ne devrait faire de l'émulation, tout le monde devrait avoir ses jeux et machin, tout ça. Bon, bah, c'est un peu facile. Enfin, c'est un peu facile. Si toi, t'as déjà tout l'équipement. Enfin, c'est comme si moi, demain, je vous dis. Si je vois un streamer qui émule un jeu. Qui émule un jeu. Bah moi je reporte. Clairement je reporte. Hop. Je reporte. Parce que bah c'est illégal ce qu'il fait. Il devrait aller en prison. Peut-être pas en prison, mais tu vas le dire. Oui mais ces streamers là, Albanette, il doit en exister 3. Il doit exister 3-4. Jamais.
Ça doit arriver, tu peux en rencontrer, hein. Mais pour l'instant, j'en ai jamais rencontré. Non! Allez. Prison. Mais bon, c'est compliqué, c'est compliqué. Comme toujours, c'est... Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué et c'est complexe. C'est pareil. Non! Oh, ça y est. Quel jeu de c'est mort. Ouais. Pourquoi je le savais? Allez, on a dit deux vies, on recommence. Il a l'air bien dur ton jeu en tout cas. Ouais, parce qu'en plus je me suis mis des contraintes. Tu sais, je suis en train de dire, ouais, faut pas se mettre des contraintes. Et pile, qu'est-ce que je fais? Je me mets des contraintes. Parce que j'aime ça, moi. Parce que oui, pas d'émulation. À mort l'émulation! D'ailleurs, je vous le dis, hein. Là, j'ai remarqué un petit streamer. Enfin, un petit streamer, j'ai remarqué un streamer il n'y a pas longtemps qui fait une sorte de tournoi et je pense qu'il émule. Je vais m'en occuper. Là, j'ai envoyé un petit mail à la Twitch là. Vous inquiétez pas. Hop, lui. Lui, je vais me le faire lui. Je pense pas que ça soit nécessaire. Bon. Attends. Tu sais quoi? En plus, c'est... En plus... Alors, je sais pas si tu connais, hein, c'est Jouf, ce streamer. D'une, j'ai essayé de m'infiltrer. J'ai essayé de m'infiltrer dans son émission. Ouais, il s'est moqué de moi. Hein. Il s'est moqué de moi. Une histoire assez compliquée de touche Escape. Mais bon. Ah. Ouais. Mais prends! Ouais, parfait. Ah! Inside 90 heures dans un... Ouais, c'est ça. Jeu de ses morts. Jeu de ses morts. Jeu de ses morts. Mais en fait, ce qui est très chiant, là vous allez vous dire, mais sapin, tape en diagonale. Pour taper en diagonale, il faut absolument que je saute. J'ai envoyé un SMS à Monsieur Twitch parce que je suis dans ses petits papiers. Ouais. Exactement. Mais vous savez, enfin, il y a un truc qui est horrible. Et il en parle. Enfin, je pense Papa Backup en parle sans en parler. Mais je pense que c'est ça qui fait. Il fait référence à ça. Backup, il fait référence à. Ah bon, dans le leak Twitch là. Alors, apparemment, on a remarqué. Certains ont remarqué. Que t'as des streamers qui ont enfin les preuves qu'il y a des streamers qui ont des comment dire des traitements de faveur. Mais arrête bordel. Bon, bien sûr, rien de choquant là-dedans. Bon, mais c'est comme toujours. Généralement, quand tu te dis bon, ça doit exister, voilà, mais quand tu le vois et que c'est vrai, bon. C'est différent. Et je me dis, le pire dans tout ça, c'est quand t'as un traitement de faveur, mais pas un truc du genre t'as fait de la...
C'est pour te couvrir quand t'as fait de la merde ou quoi que ce soit, hein. Parce que là, c'était ça, la discussion. Mais plutôt, t'as un traitement de faveur. Pas un traitement de faveur, mais t'as des contacts qui ont fait que tu peux, je sais pas, récupérer. Enfin, on te met en avant, ou alors tu récupères, t'as des infos avant les autres, ou alors tu testes des fonctionnalités, tout ça. Je me dis, ce qui est horrible, c'est quand d'un jour à l'autre, pour une raison que tu ignores, tout change. Genre par exemple, enfin, genre tu passes de. Tu passes de. Un statut. J'ai des. Pas des. Ouais, bon, j'ai des privilèges, hein, c'est des privilèges. Ah, on te connaît plus. Genre, bon. Tu discutes avec la personne, enfin ton contact, et là, on te répond plus. Étant en ce moment dans une situation similaire, alors vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Hein. Je le vis extrêmement mal. Mais pire que de le vivre mal, je crois que c'est le fait de se dire, ah, c'est assez facile d'avoir, tu sais, de prendre pour acquis quelque chose. Et quand tu l'as plus, t'es en mode, ah bah j'avais pris les habitudes, hein. J'avais pris les habitudes, là, de mon petit caviar. Mon petit caviar Nintendo. Ouais. C'est pas moi, c'est Théoris, mais il y a des trucs qui disent que pour certains streamers ont des regards humains suite à leur report, alors que la plupart c'est full automatisé. Ouais, oui. Ah, mais ça existe encore, hein. Je suis sûr que. Je suis sûr et certain que c'est encore en place. Hein. Mais bon. Après, il est. Non! Mais j'avais encore la moitié du torse. Oh. Et avec mes pieds. Ah là là. Bon, j'ai dit que j'acceptais de perdre une vie. En fait, c'est chiant parce que il y a des situations où je peux comprendre que certains streamers peuvent. Enfin, peuvent avoir des traitements de faveur. Et encore, c'est pas un traitement de faveur, c'est un traitement différent. Bon, même si ça reste la même chose dit différemment. En gros, si t'es un gros streamer, eh bien, bon Apple, Orient. Si t'es un gros streamer et que t'as l'habitude d'avoir des, enfin, que t'as l'habitude. Que c'est déjà arrivé que tu aies eu un souci avec une commu et on est venu te report massif pour X ou Y raison. Et que ça arrive. Hop. Que ça recommence. Bon bah dans un sens, c'est pas idiot. Que quelqu'un poste une note ou alors prévienne que si il y a un souci avec ta chaîne, il faut que quelqu'un vérifie si le souci vient de toi ou alors c'est un souci, enfin ou alors c'est un problème qui n'a pas rien de rapport, enfin qui n'a pas de rapport avec les agissements du streamer. Alors, bien entendu, dans ce qu'avait posté Urist, je crois que les streamers, ou les deux streamers qui étaient visés, sont... Alors, je suis pas sûr, mais je crois qu'ils sont connus pour être toxiques. Voilà. Et que ça fait vraiment... Twitch préfère les garder en ligne. Que de les virer, quoi.
Hop. Et ça, c'est sûr et certain que c'est en cours, qu'il y a des streamers, bah, et même il y a des cas avérés, hein, de personnes qui se feront jamais emmerder. Et pourtant, bon, à dire que ce qu'ils ont fait n'est pas des plus propres, hein, voilà. Et toi, si tu fais la même chose, tu te fais défoncer, Axe. Allez. C'est dégueulasse. C'est clairement dégueulasse. Mais bon. D'ici The Pognon. Par contre, vraiment? Waouh! On veut des noms? Bah, y a pas une streameuse, je crois que anglophone, ça c'est sûr, qui a eu quelques petits soucis avec ses animaux de compagnie là? C'est pas arrivé ça? Oh non. Voilà. Je crois que cette personne stream encore, hein. Et je suis pas sûr que Twitch ait fait quoi que ce soit. Enfin, qu'il y a eu la moindre action. Salut Zerostam. Ah, j'ai un doute que ça soit. J'ai un doute qu'il s'est passé que jeter le chat. J'ai un doute comme ça là. J'ai un gros doute. Allez, on est revenu, je crois. On est revenu au niveau. Ouais, parfait. Donc on a deux continues, une vie. Et on est revenu, ça y est. Enfin, moi je suis de la team. Je suis de la team un animal. Même. Si tu es violent avec un animal, c'est la même chose que si tu étais violent avec, avec un être humain. Hop, je pense que si demain. Si demain. En plein stream, quelqu'un de plus ou moins connu. Commence à battre la personne avec qui elle vit ou qu'un de ses amis et que ça va loin, bon. Disons que ça m'étonnerait pas que cette personne ait des problèmes. Ouais. Donc bon. Un animal, c'est pareil. Oh! Allez. Tiens d'ailleurs, Yellow, t'es encore là? Je voudrais creuser cette histoire de t'achètes un jeu et du coup t'es plus à même de l'apprécier. Parce que je crois que j'ai compris. Et je suis presque. Je suis presque. Enfin, je suis assez d'accord avec l'idée. Mais je sais pas jusqu'à où elle va. Oui, bien sûr, Missum, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah non, il s'est fait cuisiner. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, peut-être qu'il y aura peut-être quelqu'un qui voudra en discuter.
Enfin, qui voudra, qui est comme, qui est comme, comme Yellow. Elle est là. Il est là, il est là. Je trouvais ça intéressant. Parce que comme je n'ai pas l'impression d'être exactement comme ça, je sais pas, je ne sais pas en fait. Ah! Bah oui, bah oui. Non mais ça c'était sûr en fait. Alors bah, elle va que je suis forcément plus clément avec un jeu acheté qu'un jeu que je n'ai pas payé. Ah non, non, bah non, alors non, dans ce cas, c'est pas du tout la même chose que moi en fait. Pas forcément plus l'apprécier, mais comme tu y as investi de la thune, tu y portes plus d'intérêt. Ah, voilà, par contre, c'est comme Clofab. Faites l'intérêt et être clément, c'est pas pareil. Disons que je serais. Un jeu que j'ai acheté, je vais y porter plus d'intérêt parce que je l'ai acheté. Et je vais sûrement faire un peu plus d'efforts que d'y jouer 10 minutes comparé à un jeu que j'ai pas acheté en juste en enfin vraiment en termes d'intérêt, mais je vais pas être plus clément, je vais pas être spécialement plus clément, enfin je vois pas, enfin je vois pas l'intérêt d'être plus clément pour un jeu que j'ai acheté. Enfin, me concernant, bien sûr. Mais je crois, je sais pas si je... Ça se trouve, c'est la même chose. Il veut dire la même chose, mais pas exactement. Et on se comprend pas, je comprends pas. Pouette, pouette. Bah, ça peut être aussi un biais cognitif connu qui fait que tu n'as pas envie d'être trompé. Donc, tu te convaincs que c'est bien. Ouais, c'est l'inverse, je suis plus pointillé. Oui, pareil, je suis plus pointilleux avec la qualité d'un jeu quand j'ai acheté quelque chose. Je demande du jeu, au jeu... Enfin, j'ai des attentes. Comme j'ai acheté le jeu, mes attentes, elles sont un peu élevées. Aïe, aïe, aïe. Mais je me demande si Yellow, c'est pas ça ce qu'il voulait dire. Mais on s'est juste mal compris. Parce que, je vous explique... Il a pas acheté Samus Return. Bouh. Et il avait l'air de dire que avec Metroid Dread, si c'est, enfin moi ce que j'ai compris c'est avec Metroid Dread, s'il est pareil que Returns, bah il serait plus clément. Et ça se trouve, j'ai mal compris. Et il va me le dire, hein, si j'ai mal compris. Et si c'est ça, bah j'avoue que je vais avoir du mal à comprendre. Et du coup, bah c'est comme j'ai du mal à comprendre. Je veux pas dire qu'il est nul, mais je veux bien en parler. Il y a un sens où tu vas être plus clément, tu vas forcément aussi facilement laisser tomber le jeu quand t'as investi des sous dedans, que sinon... Ouais, ça dépend. Je sais pas. Ça dépend. On parle de jeu offert ou offert? Les deux. Exemple inverse, un jeu gratuit, ça ne gênera pas de désinstaller après 2 minutes en restant sur un avis négatif. Bah ça aussi. Alors peut-être que j'ai trop l'habitude de... Je sais pas. Je sais que je veux pas installer tout et n'importe quoi. Parce que j'ai pas envie d'avoir personnellement l'impression de jouer à tout et n'importe quoi pour jouer à tout et n'importe quoi. Par exemple, je connais plein de sites, vous imaginez bien, comme pas mal de monde, qui sur lesquels tu peux DL à l'infini les jeux qui viennent de sortir. Je pourrais tout télécharger, tout essayer. Je le fais pas parce que... Parce que déjà j'ai pas envie de jouer à tous ces jeux là. Et parce que bah ça crée une sorte de... Comment dire Après j'ai pas envie d'être pas blasé, mais j'ai l'impression que ça va pas être bon de faire ça. J'ai l'impression que ça va faire quelque chose ça... Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est... À force d'avoir tout... Ok, il faut monter dessus. À force d'avoir tout dans la... Tout à reporter de bouche,
Bam. J'ai peur d'avoir tendance, tendance à ne plus apprécier bah, les jeux en général. Après, on prend pas mon comportement qui est d'acheter trop et de picorer un peu trop aussi. Moi, ça me gêne pas du tout de 15-30 minutes envoyer un jeu paître parce que j'accroche pas. C'est problématique pour les jeux qui demandent de t'investir dedans plusieurs heures avant de commencer. Ouais. Tu as envie de rien quand tu les as tous. Mais plus que tu as envie de rien quand tu les as tous. Enfin. J'aime pas. J'ai pas envie d'avoir un jeu, de pas y jouer, et de me dire que ce jeu-là, il est, entre guillemets, poubelle. Ouais, non, on va recommencer. Parce que y a que moi qui va, y a que moi qui va pouvoir y jouer, y a que moi qui va pouvoir en profiter, mais ben, je peux pas le faire profiter d'autres personnes parce que je vais pas lui donner le compte. Et du coup, ben, au final, ben, c'est gâché, quoi. Alors, pas avec les jeux offerts. Avec les jeux offerts, c'est différent. Parce que tu l'as dans ta, dans ta bibliothèque. Ça, j'en ai déjà parlé. Mais... ça, on en avait déjà parlé. Pas besoin de revenir là-dessus. Et du coup, Yellow, bah... c'est bizarre, quand même. Non ? Je trouve pas... enfin, je sais pas. Je trouve ça bizarre, cette façon de... enfin, je trouve ça étrange. Pas bizarre, parce que bizarre, on dirait que ça fait un peu... c'est un... c'est une curiosité de... Yellow devient la curiosité. Je sais que non, mais j'ai pas envie de passer des heures requises pour m'adapter à leur système de combat. Oui. Oui, mais tu les as pas achetés, Pika. Moi j'ai besoin d'avoir envie d'un jeu pour le terminer, sinon j'abandonne après maxi 4 heures. Oui, oui, oui. Allez. Non, par contre, je voulais ça. Dommage. Oh là, dommage. Oh là là, alors là, c'est ce qu'on appelle The Sauce. I am in the sauce. Yes. Alors que j'aurais pu juste sauter. Alors justement, c'est pour ça que je dis que je dois pas, de ne pas me prendre comme exemple parce que j'ai acheté Bloodborne et Sekiro. Ah mais du coup, tu le savais. Après tu peux... Tu sais, Pika, tu as le droit d'acheter des jeux pour faire la collection, hein. Tu sais, je connais des gens qui sont proches de... bah, en plus, ils sont pas très loin de chez moi. Qui achète plein de trucs. Qui achète plein de trucs et même s'ils consomment pas, bah ils sont contents d'avoir l'objet ou alors bah ils sont contents d'avoir consommé quoi. Enfin voilà, après, ils font ce qu'ils veulent, hein. Moi c'est pas mon pognon. Hein. Mais. Bande, j'ai acheté quand j'ai acheté ma PS4 en 2016. Oui, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Yellow, il a disparu. Il a peut-être pas compris que je lui parlais. Yoritomo ? Moi j'ai plutôt tendance à m'investir dans un jeu acheté même si je trouve moyen. Même si je comprends pas ! Parce que du coup, si le jeu est moyen mais que tu l'as pas acheté, pourquoi tu te dis bon, on s'en fout ? Alors qu'un jeu, si un jeu GH... oui, mais je veux comprendre. Oui, voilà, tu peux acheter un jeu juste pour soutenir les devs, ça, c'est tu peux, hein. Effectivement, maintenant que j'achète des trucs, collection ou d'autres pour tester, pas à mes goûts, mais on sait jamais. Bah, il s'est passé que j'ai lancé, j'ai eu pris le mur d'exigence. Ouais, mais t'étais pas au courant. Si t'étais pas au courant, bah c'est, entre guillemets, bah bon... alors, on pourrait dire que c'est ta faute, parce qu'il fallait que t'avais qu'à prendre l'info.
Mais bon, je vais pas te dire. T'as acheté un jeu. Enfin. Ça me choque pas. Enfin, ça va. Bah, l'acte d'achat me force à m'investir dedans. Ah oui, alors. Oui, mais voilà, mais c'est ce que je dis. De forcer à t'investir, certes, mais te forcer à un peu apprécier ou à te forcer à apprécier, ça, je comprends pas. C'est ça que j'essaye de discuter. Je peux comprendre s'investir parce que bien sûr, t'achètes un jeu, faut y jouer, quoi. Sur 10 systèmes, j'ai pas de quoi y jouer, je joue pas, c'est pour l'objet. Ouais, non, mais ça se viète, je comprends. Ça se viète, je comprends. Oui. Je l'ai réessayé après, j'ai un peu progressé, mais bon, ouais. En fait, c'est pour ça que j'ai amené la discussion sur les jeux demandant. Ouais, bah si je pousse le jeu jusqu'au bout, j'aurai une sensation de finalité forcément plus bénéfique que de lâcher le jeu au bout de 30 minutes. Mais si t'aimes pas. Genre, si demain. Si demain. Enfin, si là, ce soir, je vais sur l'eShop, j'achète Metroid Dread. J'achète 59,99€. Parce que c'est le prix, j'imagine, qu'il est sur l'eShop. J'attends minuit, je lance le jeu. Et le jeu ne me plaît pas. Tu vois, il ne me plaît pas. Même si je suis au courant de ce qu'est Metroid, mais il me plaît pas. Voilà. Alors, on s'en fout de la raison. Bah, même si je l'ai acheté 60 balles, oui, certes, je vais pleurer. Genre, je vais pleurer. Mais bon, bah, s'il me plaît pas, j'irai pas plus loin. Hein. Et basta, tu vois. Genre, juste basta. Et l'exemple que j'en ai, c'est Crash 4. Crash 4, je l'attendais à mort. Je l'ai acheté 70 boulas. Bon, après, 70 boulas, c'est une autre... voilà. Et je voulais... Oui, bah, j'ai été au bout. Non, parce que, en fait, dans ces jeux-là, Crash, j'ai été au bout... J'ai même pas été au bout, parce que aller au bout pour ce genre de jeu-là, c'était, ça, c'est pour moi, c'était le faire 100%. J'ai fait le ENI% pour le stream, et uniquement pour le stream, mais si c'était que de moi, j'aurais arrêté à la moitié. J'aurais arrêté à la moitié, j'aurais mis de côté, j'aurais fait « je veux même plus en entendre parler », j'aurais supprimé la sauvegarde, supprimé, désinstallé le jeu, et j'aurais fait « c'est bon, 70 balles, bah 70 balles ». Voilà. Mais là, ça a plus un rapport avec le stream qu'un rapport avec... un jeu que t'aimes pas les 5 premières heures devient... Oui, oui, après il peut venir... bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr. Faut dire que m'acheter du rétro actuellement, c'est devenu un business. Oui, oui, oui. Oui. Et ce... Ce business rétro me rend ouf parce que le business du rétro crée chez les gens une sorte de fanboyisme dégueulasse. T'as des gens qui achètent des jeux parce que on leur a dit que c'était bien et ils vont pas y jouer, mais ils vont dire que c'est bien. Alors c'est un peu bizarre hein, dit comme ça, hein, mais je suis sûr et certain. Tu dois avoir des gens qui achètent une version par exemple de Castlevania, on leur a dit que c'était bien, ils y iront jamais, ils vont dire que c'est bien, et au final, ben t'es là, t'es en mode bah yes, c'est pour moi, c'est incompréhensible, je ne comprends pas. Alors peut-être c'est pour avoir une sorte de statut social, pour faire, pour être en mode ouais, t'as vu, moi j'ai les perles de la console, et j'ai un exemple, hein. Alors je dis pas où parce que j'ai pas envie que quelqu'un retrace, parce que je suis sûr que certains pourraient faire le lien. J'ai connu une personne qui a acheté Symphony of the Night sur PlayStation 1 en PAL. Ça coûte un certain prix. Il aime pas le jeu, mais il l'a acheté.
Mais il aime pas le jeu. Voilà. Il l'aime pas. Mais il l'a. Il l'avait. Enfin, il l'a. Et le truc, c'est que il l'a. Il aime le jeu vidéo. Il l'avait dans une belle vitrine. Il savait un jour qu'il allait le revendre. Mais je suis, ça donnait l'impression qu'il l'avait acheté parce que, tu vois, quand quelqu'un vient à la maison, il est en mode Symphony of the Night, PlayStation 1. Jeu exceptionnel. Et là, il dit, ah ouais, t'as aimé? Exceptionnel. Exceptionnel, bien sûr. Et là, t'es, ouais. Si tu lui poses trois questions sur le jeu, il est en mode. Alors, bah, il y a un fouet. Ouais, il y a un fouet. Ça m'en fout. Pire, c'est que parfois, je me force et je me mets à haïr le jeu. J'ai testé le jeu, mais j'ai fait le 100%. Ah, mais oui, mais on en parlait aussi. Bah, c'est marrant que t'en parles. Museum parce que parce qu'on parlait de ça il y a pas très longtemps, la prise d'otage vis-à-vis de 100%, la prise d'otage vis-à-vis vis-à-vis des trophées, toutes ces genres de choses-là où il y a des gens, ils se forcent à finir le jeu à 100% et ils vont te dire limite, enfin ça crée parfois un sentiment bizarre. C'est des gens se forcent à faire des genres, je dis pas que c'est ton cas, Emiséum, hein, mais des gens se forcent à faire le 100% et ils ont tellement eu mal à faire le 100% que après, si les autres n'ont pas fait eux comme lui, comme cette personne-là et n'ont pas souffert comme elle, bah du coup, c'est de la merde. Ouais. Du coup, ils ont pas le droit, tu vois. C'est pour appuyer dans la direction Dark Souls, la majorité des gens, c'est vraiment pas bon jusqu'au moment où ils pigent. Ouais. Tu parles de Yoritomo. Mais non, je parle pas de Yoritomo. Laissez-le tranquille, Yoritomo. Je vais lui en mettre plein la gueule, mais pas tout de suite. Ça arrive. Chacun son tour, chacun son tour. En ce moment, c'est Yellow, là. Parce que Yellow, il carbure bien. Mais Yoritomo, là, bah, il est là. Mais je vais. Quand on aura fini de discuter de ça, je vais lui parler de Zillion, vous inquiétez pas. J'ai sorti les couteaux, on va aiguiser. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. La plupart des collectionneurs, et j'en fais partie, oui, je suis blindé. Là, ce sont des gamers de base. Oui, mais alors, voilà. Alors, tu viens de dire quelque chose, Alta. Je ne prends. Enfin, comment dire? Ne t'inquiète pas, ce que je vais dire n'est pas. Faut pas que tu te sentes visé. Parce qu'en fait, on se connaît pas et je sais pas, tu vois. Je vais juste parler par. Vis-à-vis d'expérience et oui, d'expérience et tout. Et salut Mad. Il y a des collectionneurs. Ils collectionnent. T'as le collectionneur qui collectionne, et c'est bien. Et t'as le collectionneur qui collectionne. C'est-à-dire, ouais, c'est le collectionneur qui collectionne. Et puis, il a joué à Mario et Zelda, quoi. Mais il a plein de jeux. Mais il a joué à Mario et Zelda. Et quand tu dis, ah ouais, alors, tu vas faire ta collecte, machin, tu joues, tu fais, ah bah non, non, j'y joue pas, moi. Non, 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 non. Seul 100% des AAA que j'ai fait, c'est AC2, Batman Arkham et GTA V. Ah, GTA V. Oh, GTA V, Yellow, j'aurais pas pensé ça de toi. J'aurais tellement pas pensé ça de toi. Je vais marquer ça dans mon petit calepin. Aïe. Tu es terminé. C'est terminé. C'est terminé de Yellow Croc. Mais c'est très bien GTA. Oui, c'est juste que j'ai essayé, hein. J'ai essayé. J'ai fait GTA Vice City. J'ai fait GTA 1. Et voilà. C'est l'ambiance m'intéresse pas. Les personnages m'intéressent pas. C'est voilà. C'est pas assez Sego-proof pour moi. Voilà, c'est tout. J'ai insulté des Russes, j'avoue, j'ai campé aussi, j'avoue. Ah, Zvied qui balance tout. Ah là là, je reporte.
Bah non, c'est sous blister, j'y touche pas. Ouais, non, mais après, voilà, il y a le collectionneur. T'as le collectionneur qui joue, t'as le collectionneur qui joue pas, et t'as le collectionneur qui a sous blister. Ça, c'est encore un autre problème. Mais après, il y a des mélanges. Parfois, t'as des collectionneurs qui achètent deux fois le jeu, donc un sous blister, un machin. Il y a plein de types différents. C'est un monde compliqué. Ouais. C'est pas facile. Paf. Ouais, on parlait de GTA parce que Yellow. Enfin, les GTA. Juste, oui, c'est le marché du jeu vidéo rétro a pris telle ampleur parce que c'est blindé de thunasse. Ouais. Tu peux collectionner sous blister et jouer la ROM en ému, c'est legit. Oui, c'est legit. C'est vrai que c'est legit. C'est vrai. Mais le problème, c'est que tu sais très bien, vous savez très bien ce que je vais dire. Je me supporte pas. Enfin, c'est assez facile de se rendre compte. Enfin, c'est assez facile de se rendre compte quand quelqu'un achète des jeux ou possède des jeux, mais ne joue pas. Alors, tu peux ne pas jouer parce que t'as pas le temps, et ça, bah, pas de problème. Et tu peux acheter des jeux pour acheter des jeux, et ça, bah, y a toujours pas de problème. Mais dans un sens, bah, si ces gens, enfin, si t'en parles, en fait, ça tout dépend de la manière dont t'en parles. En fait. Moi, je crois que ce qui me dérange, c'est tout dépend de la manière dont t'en parles. C'est tout. Si tu te la pètes pas, moi tout va bien. Tu peux acheter tout ce que tu veux. Faites pas comme Yellow! Voilà, alors qu'il fait rien. Il a rien fait. Ah, c'était gratuit. J'avoue que là c'était totalement gratos. T'as le droit de. Si tu dumpes toi-même la. Oui, le BIOS de la console, personne ne le fait. Oui. J'ai pas mal de jeux, mais le temps d'y jouer avec le boulot et puis rebrancher les consoles, je suis découragé. Oui, mais ça c'est pas grave. C'est pas grave, Viette. C'est pas grave, t'en veux pas. Un petit peu, mais. Là, je fais quoi, là? À part ne pas passer. On est d'accord que là, t'as pas le choix d'avoir l'autre perso? Y a pas. Parce qu'il y a pas de roulade? Enfin, oui. Donc là, t'es biaisé. Enfin, y a pas de glissade? Mais c'est-à-dire, ça passe. Mad. Mais faut aller petit à petit. Ah! J'ai compris. Ah! Aduler un jeu que tu n'as jamais testé en suivant le mouvement, c'est triste. Ah bah oui, hein. Mais moi je connais pire. Hein. Tu sais, Misium, il y a pire que ça. Il y a. Alors je dis pas, il y a des personnes avec un pseudo démarrant par un double, par un Y, pardon, qui font quelque chose parfois. Ça arrivait de ne pas aimer un jeu. De ne pas aimer un jeu juste pour pas l'aimer en fait. Et ouais voilà. Voilà, alors bon. Ouais, on va voir ces pseudos avec un Y, il n'y en a pas beaucoup ici, mais bon, c'est arrivé. Les salauds. Ça me dégoûte! Genre par exemple Zelda 2. Combien de fois j'ai lu le. Ah mais c'est de la merde ce jeu.
Et suivi de As-tu à jouer? Non. Mais j'ai vu des gens y jouer. Alors bien sûr, t'es pas obligé de jouer à tout pour donner ton avis. Mais il y a donner ton avis et donner ton avis. Si tu hurles sur tous les toits que c'est de la merde, bon, au bout d'un moment, au bout d'un moment, je vais arriver avec le chalumeau, quoi. Mais si t'aimes pas, parce que t'as pas envie d'y jouer, pas de problème. Bon, j'ai dit Zelda 2 parce que j'ai mal vécu Zelda 2. Voilà. J'ai mal vécu parce que je me suis bien amusé et il y avait des petits malins, quoi. Voilà, c'est tout. Mais parfois, oui, la vidéo parle d'elle-même. Ça peut arriver. Mais tout dépend comment tu te bats. Tout dépend comment tu te bats. Tout dépend. Dread aussi adore Zelda 2. Oui, bah ça c'est. Ah, mais j'ai pas de problème vis-à-vis de. Ouais. Bon, du coup, Yoritomo. Parce que si je t'attaque pas maintenant, je t'attaquerai jamais. Est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'as les gants de boxe? Est-ce que t'as le protège-dents et tout? Bobox. Ah, elle est sympa celle-ci. Alors par contre, s'il vous plaît, est-ce que là c'est sympa. Guilla, il faut qu'il se passe quelque chose. Guilla, vite! Il me faut un Patrick Bosso là. Merci. Ben non, paie pas toi. Vite, après je saute dans le bus. Ah bah non, ah ouais, mais il est 21h47. Ah mince. Oui, alors, donc, je te le dis, j'ai fini le jeu. C'était une bonne expérience. Au début, j'ai eu très peur. Finalement, ça s'est très bien passé. Finalement, ça s'est bien passé. Mais la prochaine fois, sois un peu plus clair, parce que ça s'est très bien passé. Et tant mieux. Mais comme t'étais pas trop sûr, t'étais pas trop sûr. Et on a failli. Franchement, on a failli caner, hein. Bonne soirée, Hilo. Il y a peut-être demain matin si j'arrive à lâcher la manette. Oh là là. Ouais. Allez, à la semaine prochaine. Va jouer à ton jeu, là. C'est bon, là. Tu me saoules. À demain. À samedi. À dimanche. À l'année prochaine. Va te droguer, là. Soul. Oui. Je vais le chercher au magasin peut-être. Bah j'espère qu'au magasin on va te regarder, on va faire. Vous avez fait Samus Return? Et tu dis bah non. Et bah non, vous ne l'aurez pas. Regardez votre jeu, je le prends. Je le mets dans la poche. Par contre, je garde les 50 balles. Cassez-vous. Cassez-vous! Là, faudra que je décide si je vais acheter Dread avant ou après. Alors attends, Pika! Pika, Pika, Pika. Pika, j'ai une question. Pika, j'ai une question. Il faut absolument que je te pose cette question, c'est important. On est d'accord, Pika, que tu as bien appuyé sur le fait que ben t'as beaucoup de jeux, tout ça, mais on en a déjà parlé de ça. Je me rappelle, on en a déjà parlé. Cependant, c'est toi-même qui m'as dit là ce soir que il y a un comportement que tu as qu'il faut pas avoir. Ou en tout cas, que tu n'es pas spécialement fier d'avoir. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est quelque chose que tu essayes d'arrêter?
et que t'as un peu de mal parce que bah t'as pris l'habitude et bah voilà les habitudes, hein, de toute façon c'est très bien. Hein. Ou alors j'ai mal compris. Si t'as pas envie d'en parler, y'a pas de problème, hein, tu sais, je t'oblige à rien. Mais bon, ça peut être intéressant dans une discussion. Mais n'hésite pas à me bloquer s'il le faut. J'achète Dread, mais plus tard, les trop déjà. Oui, bah ouais. Bah moi, c'est un peu ce que je me dis. Hein. Il y a un problème, c'est que j'ai envie de jouer à des jeux, j'ai envie de jouer à d'autres jeux. Mais là, la hype de Dread. Le problème, c'est qu'il y a une hype de fou, quoi. Maintenant, je suis baigné dans cette hype dégueulasse, là. Et j'ai envie de jouer à votre jeu de merde. Bon, alors, enlevez merde, hein, parce que je suis juste vénère. C'est juste moi qui est vénère. J'en ai marre de me faire bouffer, de me faire ronger par cette hype. J'en peux plus! Et là, il y a quelqu'un qui va me dire, bah t'as qu'à t'éloigner de tout ça. Mais comment tu veux que je m'éloigne de cette hype? C'est pas possible. Faudrait que j'arrête de streamer pour ça. En fait, faudrait que j'arrête de streamer, faudrait que je banne la moitié de mon Discord et faudrait que je finisse dans un monastère, quoi. Tu veux une solution? Si la solution c'est être pauvre, ah non, enchaîne les is. Hein? Ah, c'est pas une solution ça. Ah, c'est quelque chose sur lequel je me moque de moi-même et surtout je conseillerais pas vraiment à en faire d'autres. En vrai, comme je sais pas quand je vais accrocher et à quoi je vais accrocher, c'est compliqué. Je suis le mec qui achète Bus Simulator 2021 de manière sérieuse et y joue effectivement. Je suis incapable de trouver vers qui me tourne vers quoi oui pour ok vers qui me tourner pour mes goûts d'accord par rapport aux tests bah, c'est pas grave ça c'est pas grave Pika en plus si t'as la thune pour tant que tu te fous pas dans la merde en vrai. Je peux acheter tous les jeux du monde. Hein. Et puis pourquoi tu pourrais pas acheter Bus Simulator 2021 sérieusement? C'est un jeu qu'on peut pas acheter sérieusement? C'est ça que tu veux dire? Tu vas avoir des problèmes toi. Oh je suis nul. Oh je suis nul. Des bisous, merci d'être passé. C'est gentil. Et à plus tard. Donc là, ça va pas être drôle. Enfin, c'est pas drôle. Mais. En fait, c'est pas drôle. Non, c'est juste pas drôle, en fait. C'est pas drôle. J'ai pas pris énormément de plaisir sur cette phase. J'ai pas l'impression qu'elle était faite pour prendre du plaisir. Bah, je sais pas si c'est la strat officielle, mais j'ai le perso lotière. Alors, c'est pas vraiment un jeu très hype qui fait bon goût. Bah, après, tu sais, ça m'est déjà arrivé d'acheter des jeux bof. Et voilà, hein. Tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple. Il y a Pseudoless. Bon, c'est la faute de Pseudoless. Pseudoless m'a parlé d'un jeu un jour. Il m'a envoyé un tweet, comme ça. Enfin, un tweet. Pas envoyé un tweet. Il m'a envoyé un message, au pif, d'un jeu qui pense, enfin, qui il trouvait que c'était sympa pour moi. Alors, le jeu, je sais plus comment il s'appelle. Le jeu, je sais pas comment il s'appelle. Je vais retomber dessus assez facilement parce que. Parce que ça fait pas longtemps. Ah, quoique, on a discuté un petit peu. Hein. Le truc avec le poussin, ouais.
Un truc avec le poussin, je sais pas comment il s'appelle. Un truc avec le poussin, le poussin, le poussin, le jeu du poussin. Le poussin, le poussin, le poussin, le poussin, le poussin, le poussin. C'est si vieux que ça? Le poussin, le poussin. Ah, il est là. Le jeu s'appelle Tori 3D. Voilà. Tori 3D. Et il y a une version Switch qui est sortie de Tori 3D. Donc je vais vous montrer, ce que c'est. Ah bon, j'ai pas mis beaucoup de pognon, hein. Vous allez voir, le jeu sur Steam, il coûte 79 centimes. Et je crois que sur Switch, j'ai dû le payer 4 balles. Non, c'est pas Tokitori. C'est pas ça. Hop, voilà. En fait, c'est un petit jeu de plateforme 3D. Voilà, c'est un petit jeu de plateforme 3D. Ce qui paie pas de mine. Ça paie pas de mine. Et c'est pas très long. Mais vraiment, quand je vous dis pas très long, c'est pas très long. Ça marche bien. Ça bouge bien. C'était un peu cher pour 4 balles. Parce que pour 4 balles. Bon. Ça fait. J'ai dû y passer 1 heure et quart. Ouais, les feedbacks sont sympas. Mais bon, bah. Comme les jeux 3D. Les jeux de plateforme 3D, j'aime bien ça. Bon, bah. J'aurais pas dû l'acheter. Mais bon, c'est la faute de Pseudo. Il me semble que le 2 est sorti. Ah bon? Oh! Oh, il a raison! Alors, j'ai très peur de regarder et de me dire que c'est exactement la même chose. Ah! C'est toujours 79 centimes. C'est plus joli? Non, non, c'est la même chose. Franchement, c'est. J'ai vraiment l'impression que c'est la même chose. Combien ça coûte? 79 centimes. Hein. Ah, par contre, il a mis des ennemis. Mais les ennemis, ils servent à rien. Ils bougent pas. Ils font rien. Ils font R. Comme s'il avait oublié de les. De les programmer. Mais bah c'est marrant. Voilà. Et du coup, tout ça pour dire, Pika, tu sais, parfois, si t'as des goûts, s'il y a des choses que t'aimes beaucoup et t'as envie de tester tout et n'importe quoi, bah voilà quoi. Tu testes tout et n'importe quoi, tu fais ce que tu veux. Hein. Pas de t'en vouloir. Hein. Fait que c'est bizarre, que ça fait bizarre quand je compare des goûts des autres joueurs avec ce que je croise sur Discord. Mais ce que tu croises sur Discord, Pika, c'est des goûts de personnes très spécifiques. Le Discord, là. Enfin, non, mais attends. Sur le Discord, là, de la chaîne, il y a que des vieux, il y a que des gens, y a que des vieux plus des gens qui aiment bien Nintendo. Voilà. C'est bon. Et je te rappelle que sur la chaîne. Bah, attends. Enfin, je te rappelle, sur Discord, il y a une personne qui aime bien Stadia. Ouais! Alors, ne dites rien de Bakayep, hein, s'il vous plaît. Soyez sympa. Ouais! Tu te rends compte? Je parle pas que sur ton Discord. Ouais, mais c'est pas grave. Que ce soit sur mon Discord ou autre part, ça doit être les mêmes. Ça doit être les mêmes. Voilà. Ça doit être comparable. J'ai pas joué à la Switch depuis 2 ans. Oui. Tu es un alien. C'est pas dispo dans ma langue, c'est mort. Barre du langage, je peux pas y jouer. Ah.
Ah oui, c'est vrai, il a raison. John. Tu aimerais peut-être John. John Cut. Mais il doit savoir qui c'est. Chez Joust. T'es peut-être déjà là. En gros, j'ai un groupe d'anciens camarades de master où ça parle info théorique, où ils vouent presque un culte à Dark Souls. Ah. Envoie leur Nim-Nim. Ça va les calmer. Allez, si j'arrive à battre le boss. Avec si peu de vie. Ça serait bien. J'ai un doute, hein. Je sais pas ce qu'il fait, je me rappelle plus ce qu'il fait. Voilà ce qu'il fait. Normalement, t'as refermé. Non! Non, pseudo. J'irai pas voir mes mails. D'ailleurs, tu sais quoi? Je ferme mon ad... Je ferme mon adresse mail. Voilà. D'ailleurs, c'est décidé. Maintenant, je ne regarderai pas mes mails. C'est terminé, je ferme tout. Info théoricien, je peux t'en dire, pour en faire partie, on est dans la minorité, dans minorité minoritaire, donc déjà, c'est pas un bon point de comparaison. Ouais. Je prends mon téléphone pour savoir si je supprime le mail et que je supprime mon compte, hein, attention. Aïe, aïe. Ah là là là. Ah, j'ai lu la première ligne. Mais Asie! Plus simple de c'est pas de... Ah bah tu veux supprimer pseudo maintenant. Ah bah yes. Eh bien merci pseudo de m'avoir offert Tori 2. Je viens de faire exactement les mêmes erreurs là. On va recommencer le jeu parce que je suis nul. Payé grâce à mes ventes de cas. Wouah. Franchement, ça fait quand même beaucoup pour que je joue à Yakuza. D'ailleurs, j'ai un problème pseudo. J'ai un gros problème. J'ai un gros problème et tu vas peut-être être la personne qui va m'aider. Oh, j'ai eu un souci avec mon disque dur de PS3. J'ai racheté un disque dur de PS3, je l'ai reçu. J'ai installé le disque dur dans ma PS3. J'ai dû malheureusement... à cause de la double identification de mon compte PSN, j'ai dû créer un identifiant de connexion unique pour me connecter à ma PS3. J'ai retéléchargé Yakuza 5, et quand je lance Yakuza 5, il me dit que je n'ai pas les droits. Est-ce que ça t'a déjà fait sur un jeu PS3 qui te dise que j'ai pas les droits? Enfin, il me dit pas j'ai pas les droits, mais il me dit que la licence elle est expirée et qu'il faut que j'aille sur le PSN. Sauf que quand je vais sur le PSN, bah le jeu je l'ai acheté. J'ai acheté le jeu en démat, ouais. Mais si c'est lié à la console, c'est la même console. C'est exactement la même console. Tu peux pas restaurer. Bah non, je sais pas comment faire. Enfin, peut-être qu'il faut faire ça, mais où le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Bah, en plus, je retélécharge le truc. C'est pas un jeu PS Plus. C'est pas un jeu PS Plus. C'est un jeu que j'ai acheté vraiment. Donc, sûr et certain. Sûr, certain. Restaurer licence dans les paramètres. Ouais. Ouais, peut-être. Okay. Dans le paramètre du compte Steam. Du compte PSN. Oh, par contre, je me fais ouvrir là. Hein.
Alors qu'il est zéro. Genre il est zéro. Monsieur zéro. Ah ouais. Ah j'ai compris. C'est juste que je suis nul en fait. Ah là là. Non mais j'ai compris. Au secours, je suis bloqué. Oh je vais mourir. Oh, je comprends pas ce qu'il fait. Oh là là. Non ! Ah non ! On recommence tout. alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Mais j'ai peur que le changement de DD foute la merde. Au pire, restez l'option service client. Sur PS4, ça marche comme ça, mais je pense que ça doit fonctionner sur PS3 pour confirmer que tu possèdes la licence. Ok. Okay, okay. C'est bizarre que personne m'ait dit, bah t'avais qu'à pas acheter le jeu des maths. Voilà, c'est bizarre que personne m'ait dit ça encore. Du coup, bah je vous remercie. Et si quelqu'un le dit maintenant, je le banne bien sûr. Je dirais même devant tout le monde que j'adore le démat. T'entends? J'adore le démat. Si un jour je vais chez Emo, eh bien j'arriverai avec une hache et je lui dirai j'adore le démat. Pousse-toi! Oui, il y a la collecte. Non, mais je veux jouer sur PS3. Je veux jouer sur PS3. C'est un souhait. Je veux jouer sur PS3. Je veux pas jouer sur PS4, je veux pas jouer sur PC. Voilà. Je vais te dématérialiser. Hop. Allez, poussez-vous! La PS3 pour avoir les perfs d'époque? Oui. Je veux jouer sur la console originale. La première, c'est sorti, voilà. Je veux absolument. Je veux ces sensations. Laissez-moi avoir les sensations. Il veut jouer sur la pire version. Oui, je veux jouer sur la pire version. Tellement naze que je trouve pas l'énergie de quitter ma chaise de bureau. Bah tu sais quoi, je mets pause. Et tant que tu pars pas, je reste là. Ou alors, ce que tu peux faire, tu mets pause. Comme ça, ça fait pareil. Mais non, mais s'il faut être couché, vas-y. Allez, t'imagines si tout le monde dans le chat te dit d'aller te coucher. Est-ce que ça te motiverait? Ouais, c'est des squelettes prudents. Mais non, mais c'est un hommage à Majima. Bon, ça se voit, en plus, c'est des casques de chantier. Je peux tomber de ma chaise de bureau dans mon lit. Ah bah oui, yes. Hop. Ah, quand je pense, on en discutait avec Nîmes. On en discutait avec Nim, mais vous imaginez s'il y avait eu Kiryu dans Smash. Pff. Bonne soirée, bonne soirée, Langage Fleury. Merci, merci d'être passé en tout cas. Je comprends le mood, j'ai fait la même chose pour Nier PS3. Ah ouais, voilà. Ah là, s'il avait été dans Smash, j'aurais pas pu jouer, hein.
J'en aurais pas plus joué, mais j'aurais juste souhaité regarder la présentation du personnage. Je te cache pas que je suis content pour Sora. Ah mais non, mais moi je suis pas mécontent pour Sora, hein, y a pas de problème. Mais parce que comme, enfin, ça sert à rien. Là, t'as bien entendu ce que j'ai dit. Je souhaitais voir la présentation du personnage, mais je n'y aurais pas joué. Donc, il vaut mieux pour les gens qui jouent à Smash et qui aiment Sora que d'avoir Kiryu, ils s'en foutent. Voilà. Enfin, rien à carrer, je suis content que les gens soient contents. Ouais, ouais, voilà, les gens sont contents, voilà. Ah bon, après, je suis pas content que les gens sont contents. Personnellement, j'ai pas... Enfin... Je ressens pas une joie immense parce que les gens sont satisfaits. Bon, voilà, j'ai vu le truc, j'ai fait... Bon, ok, voilà, c'est tout. J'irais rien casser dans la rue, quoi. Voilà. Il est pas content, la preuve. Les gens, ils détestent les gens. Je déteste les gens hype par Dread. Mais, Axe, tu te rends compte? C'est même pas ça qui me dérange. C'est juste que... Non, mais je vais te dire ce qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est juste Yellow Croc. Non, mais Yellow, c'est un peu l'anti-moi. Il est... Il a une manière de réagir. Non, mais je sais que... Oui, je sais, mais... Il a une manière d'exprimer ce qu'il aime, ce qu'il a envie d'aimer, ce qui voilà. Et c'est un peu... Parfois, je suis assez compliqué. C'est compliqué. C'est l'anti-moi, ouais. Lui, il va être dans l'émotion directe. Il va se passer un truc, je sais pas, moi... Il y a Nintendo qui annonce un truc, il peut arracher son bureau et dire que c'est la pire chose qu'il a vue de toute sa vie, dire que c'est le plus beau jour de sa vie, tout ça. Alors que, et là je suis en mode, mais quoi? Ah là 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 là. Il n'y a pas que ça, hein. Si avec ça, ça serait pas grave. Hein. Ah, il fait des 360 noscopes, ouais. Mais il est trop fort. Et le pire, tu sais, Axeran, le pire, tu sais ce qu'il m'a dit un jour, Yellow? Il m'a dit un jour, bah c'est pas grave si tu sais pas, si t'apprécies pas les jeux comme moi je les apprécie. Moi je suis euphorique, toi tu l'es pas, c'est pas grave. Et vraiment, dans sa phrase, j'ai vraiment senti le, bah t'es blasé de la vie, c'est pas grave. Moi j'aime la vie, j'aime me balader comme ça, regarder le ciel, les petites fleurs. Mais bon, toi si tu préfères regarder ton verre à moitié vide, pas de soucis. Allez, salut, bonne journée. T'es désabusé, ouais. Comment tu veux pas qu'après je devienne fou? Et le pire dans tout ça, c'est quand il fait ça. Quand tu lui dis, mais attends, mais c'est pas sympa, il fait, non, mais c'est pas méchant. Et quand il dit c'est pas méchant, je reroule, tu vois, c'est reparti. Ouais, il rajoute après un ah. Mais parce que c'est quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un qui a... Ah oui, moi je galope, mais je... Bah je suis... C'est un peu le même problème que... Enfin oui, je galope, ouais. Là c'est... J'y vais à fond le ballon.
Mais il est sympa, c'est Yellow, il est sympa. Il est là depuis... Maintenant, il est là depuis un petit moment. Bon, comme d'autres personnes, hein. Il n'y a pas que lui, hein, bien sûr, qui est sympa. Mais je veux dire... On arrive à discuter... Enfin, à une époque, on discutait plus. On va pas se mentir. Là, aujourd'hui, on discute moins qu'avant. Disons que... C'est comme j'avais déjà dit, il y a des gens qui doivent se poser des questions quand ils voient Yellow pour la première fois et que ça doit leur faire bizarre parce qu'ils doivent se dire pourquoi Sapin est trigger d'un mec random qui écrit trois phrases dans le chat. Et bien entendu, bah si c'était le cas, bah il serait j'aurais déjà tiré un trait dessus hein. Je vais pas m'embêter. En vrai, il écrit trop. Sur le... Maintenant, il écrit moins qu'avant. Hein. À une époque, il faisait ce qu'on appelle des phrases de. Il écrivait pas autant que Yellow. Que Mr. F, pardon. Mais bon, un petit peu quand même. Hein. Voilà. On arrivait à avoir des débats et tout. Enfin, des débats, des discussions. Quand tu parles de gens sympas, j'ai l'impression que tu as une connotation presque négative. Non, mais c'est la manière dont j'en parle qui fait que tu as l'impression que c'est négatif. C'est juste que ça a évolué. Disons que la fougue de la jeunesse vis-à-vis de notre relation a évolué maintenant que... Maintenant on est rentré dans la... C'est un peu le train-train quotidien, quoi, tu vois. C'est plus comme avant. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais ça fait pareil avec tout le monde, hein. Vous inquiétez pas. Hein. Ça fait pareil avec Pseudoless, par exemple. Ah, Pseudoless, quand je l'ai connu, j'ai acheté Odama. J'étais... Ouah, trop bien, ouais. Et puis j'ai joué à Odama. Bon, plus tard, quoi. Mais bon, j'ai joué au Dama. Maintenant, bah... Ah oh là 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 là. Non mais en plus, le pire, ce que tu te rends pas compte, c'est difficile de se rendre compte, Pseudo, mais... C'était mes premiers streams à te regarder. Ce que tu te rends pas compte... Encore une fois, deux fois, ce que tu te rends pas compte deux fois, Pseudo, c'est que dans un sens, tu as inspiré la personne que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire le fait de vouloir jouer à des jeux moyens ou alors des jeux un peu spéciaux et tout, ça vient aussi de toi. C'est parce que quand j'ai regardé ton stream, par rapport à ce que je regardais en stream, et même je regardais peu de vidéos YouTube à l'époque, Donc quand je suis tombé sur tes streams, je me suis tellement dit « Oh mais en fait c'est super drôle, c'est comme ça le jeu vidéo que j'ai envie de le voir, moi, un truc un peu spé, différent des grosses productions qu'on voit à côté, ah c'est sympa !» Et donc, alors bien sûr je t'ai pas copié parce que c'est pas le but, hein, mais voilà. C'est un peu la faute de Pseudo si on a fait trois fois rempart, hein, dans un sens. Waouh. Ouais, Chacan c'est lui, ouais. Chacan c'est lui, ouais. Mais alors Chacan c'est lui, c'est juste que... Alors, je dis que c'est un peu comme mon mentor et juste derrière il fait « Ouais, ouais, j'ai fait de la merde aussi, ouais, ouais, mais je suis content, hein !» Ah là là. Il a testé des trucs sur moi. Eh oui. Tu l'as fait trois fois la version MD? Oui, je l'ai fait trois fois. Alors si tu veux savoir comment ça s'est passé, bah je peux t'expliquer, c'est simple, mon cher Axeran. Une fois, je l'ai fait une fois sur Gaming Live.
Je l'ai fait une deuxième fois sur ma chaîne. Sur ma chaîne. Avant de reprendre Console Mania. Parce que ce qui s'est passé, c'est que je l'ai fini sur Gaming Live. On m'a brisé les genoux. Mais pour pas dire autre chose, parce que ouais, non mais Sapin, c'est ton jeu, tu vois, c'est devenu un peu ton Némésis Rempart. Et les gens, enfin, malheureusement, certaines personnes, pas beaucoup, hein, quand je dis les gens m'ont saoulé, c'est certaines personnes ont appuyé sur la plaie pour que ça saigne, que j'explose et que je perde tout. Je me vide de mon sang. Bref, et tout ça pour dire que comme on m'a trop taquiné avec ça, j'ai dit, bah vous savez quoi, je vais lancer Rempart, je vais le plier votre jeu, je vais le faire comme ça, comme ça, comme ça. Du coup je l'ai refait, je l'ai plié, mais quand je te dis je l'ai plié, en une journée, en un stream c'était terminé. Et j'ai dit c'est terminé, on n'en parle plus. Plus tac, tic, tac, tac. Et là, comme j'ai recommencé Console Mania, bon, on l'a refait. Parce que maintenant, c'est gratuit. Voilà. Maintenant que je sais comment finir. Est-ce que c'est pas Ken qui a fini Rempart? Du Mojo, quand même. Eh. Quand même. Alors, je viens de voir le mail du cadeau de pseudo vis-à-vis de Tori 2. Et il a dit, alors je vous le dis parce que je pense que c'est drôle, il a écrit: cher Sapingue, mon salaire Twitch a leak, alors faut faire des placements. Accroche-toi, virgule, yellow, entre parenthèses, mais vraiment pas pseudo. Le pire. J'avais dit que je disais peut-être une bêtise. Bah, en fait, Dimojo, je vais te poser une autre question. Attention, ce que je vais dire n'est pas méchant. Mais écoute bien la question. Dans la question, il y a la réponse. Est-ce que tu as été témoin de jeu terminé par Ken Bogard de manière de jeu rétro assez difficile sans tricher? Est-ce que tu as été témoin de ça? J'attends ta réponse. Oui, il y a un exemple. Il y a sûrement un exemple. J'en ai des exemples. Mais en stream, il n'y en a pas beaucoup. Mais j'en ai. Oh, Street Fighter, je pense qu'il le plie. Hein. On parle de jeu rétro, attention. Hein. Voilà, hein. J'ai pas non plus dit Ken, c'est une sous-merde. Hein. Attention. Hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. C'est loin d'être une sous-merde, c'est loin d'être une mauvaise personne. C'est juste que je parle de jeu rétro et de ses capacités, voilà. Et je pose la question à Dimojo. Yes. Pokémon, c'est rétro, Ouais, bon, alors... Volgar, je crois. Ah, et Volgar, il a terminé. Ah, ça dépend si Volgar a terminé. Il n'a pas réussi à faire Matcha, là, le jeu de plateforme où t'es un robot. Ça veut dire... Fatal Rewind. Enfin, c'est pas Fatal... Attends, c'est Fatal Rewind. Moi, je peux vous dire des choses. Hein? Moi, je sais des choses.
Je sais des choses vis-à-vis de Fatal Rewind. Voilà. Parce que je vous rappelle qu'il y a une safe state. Mais bon, après moi je dis ça... Hein ? C'est un peu comme si... c'est un peu le jeu Ken du survivant. Il y a eu aussi... Il y a eu aussi un Batman. Il y a eu aussi Bart's Nightmare. Bon, voilà quoi. Hein ? Enfin bon, après, moi je veux pas, hein. Ouais, ouais. C'est pour les besoins du stream. Je suis tout à fait d'accord avec Axeran. Pour les besoins du stream, je peux comprendre que bah voilà, tu acceptes. Voilà. Heureux, alors. Pouet, pouet. Enfin, les musiques du jeu, elles sont vraiment bien. Ah, des roses rouges, on est à Paris! Enfin, on est à Versailles plutôt. Magnifique. Exceptionnel. J'adore. Meilleur jeu, bien sûr. Mais la safe state, c'est pas la safe state officielle Console Mania. Alors, est-ce que tu peux me donner la règle dont tu dois te rappeler, Mister F, de la règle de la safe state? Est-ce que tu te rappelles? Et si tu te rappelles, quelle est cette règle? Ça m'intéresse. Ah, je suis confus. Ville de l'amour? C'est ça. On peut pas... Je crois qu'on peut rien faire avec ça. Ce que je me disais, c'est que tu avais le droit à une seule safe state pour toute la run. Oui. Et qu'est-ce que... Et il y avait un autre truc. Il y avait un autre truc. Il y avait autre chose. Une utilisation, si tu crées la safe state, c'est terminé. Si tu utilises la safe state, c'est aussi terminé. Mais la safe state, il faut savoir, il faut l'utiliser avec parcimonie. Il faut pas la reset. Là voilà. Bah normalement avec ça, moi déjà je trouve qu'il y a eu beaucoup de liberté. Et pire que beaucoup de liberté, d'une il y a eu des libertés, et de deux, Ken et MV, ils avaient le droit de tordre l'émission dans tous les sens, de faire leurs propres règles, mais alors parfois, par contre, quand ça revenait dans mes mains, c'était... Attention! Attention, sapin! Tu manges du caca! Tu manges tout ton caca! Et si je reviens et que tu l'as pas tout mangé... Attention! Ah bon, il me l'a peut-être pas dit comme ça, faut peut-être pas abuser, hein. Là, j'exagère, hein, c'est cross. Mais bon. Moi, je me permettais pas. J'avais du respect pour l'émission. Oh, voilà. Oh, très bien. Quelque part, ça veut dire qu'il te respecte plus. Plus quelque... Oui, hein. Je pense que t'es meilleur. Oui, mais c'est ça le problème. Ça, c'est un problème, ça. Ça, c'est un problème. Parce que, tu sais, ça crée quoi comme problème? Non, mais Sapin, il le fera, t'inquiète. Non, t'inquiète pas, lui, Sapin, y a pas de souci. Oui, mais non! Non! Parce que ça crée des problèmes remparts. Ça crée des problèmes chacanes. Ça crée des problèmes où, du coup, les gens, ils ont l'impression que plus ils me donnent... En gros, enfin, imaginons, je mange un yaourt périmé, et ben quelqu'un se dit « Et si je lui donnais un yaourt encore plus périmé ?» Vous pensez qu'il le mange? Et à force, bon, bah voilà. À force, c'était plus de la nourriture.
Et du coup, c'est pour ça que ça a créé des trucs nuls. Il a fallu enlever le raffle, il a fallu trier les gens et en virer certains parce que ben voilà. Mince. Consolemania, ça aurait pu être une belle émission, mais ça s'est transformé en une sorte de télé-réalité dégueulasse où on me jetait des cacahuètes. Voilà. C'est nul. Le raffle, ça a jamais été une bonne idée, je suis pas trop d'accord. Le raffle, ça, c'est pas une si mauvaise idée. Ça dépend comment c'est utilisé. Ça reste un outil, c'est comme toujours. C'est un outil. Tout dépend de ce que t'en fais. Les Marseillais chez Consolemania. Objectivement, quand tu demandes l'avis des gens, ça se passe rarement bien. Non! Ça, je suis pas d'accord. Tout dépend qui t'écoute. Là, si demain, je vous demande l'avis sur les 15 prochains jeux que je vais faire, vous allez me donner plein de trucs dans... Plein de trucs... Enfin, ça va partir dans tous les sens parce que vous allez me donner ce que vous avez envie de voir ou parce que ce que vous aimez, vous. Mais moi, c'est à moi, après, de prendre tout ce que vous m'avez donné et de faire ma petite tambouille. C'est tout. Hop. Ma petite ratatouille là. Une petite ratatouille. Oh, j'ai envie de manger une ratatouille. Au lieu de manger vos frites de mort là. Petite ratatouille là. Voilà, de prendre la vie des gens et de tout foutre à la poubelle. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à faire des éloges de Pseudoless et il nous a montré sa partie d'arc. Bien sûr. Bien sûr. Mange tout. Ah. Oh, mais c'est... Je suis mauvais. Allez, on recommence. D'ailleurs, Yoritomo, là, normalement, tu pourrais me demander... Mais Sapin, je comprends pas. Pourquoi le jeu, tu l'as pas terminé? Et là, je vais te répondre. C'est une fise. Je vais te dire, je me suis... je fais une run à contrainte. Et je suis assez satisfait de cette run à contrainte. En gros, j'accepte pas. En fait, je me suis rendu compte que les passwords sauvegardaient le nombre de continues et le nombre de vies que tu as. Donc, j'ai recommencé le jeu alors que j'étais au niveau 4, enfin au stage 4 sur 5, et j'ai décidé de faire les niveaux en perdant moins de vies. Et voilà, comme ça au moins. À la fin, si je veux utiliser mes crédits, je pourrais les utiliser, quoi. C'est un peu une safe state. Ouais, Mr. F. Ouais. Bon, bah, je reviens, je vais t'étouffer, là. J'arrive, hein. Le problème, c'est que c'était full libre, sans veto, sans restriction de console, pour ça... Ouais. Moi, j'aimais bien que ça soit que la Mega Drive, par contre. Après, quand tu as commencé à trier le type de jeu et à sélectionner comme éviter un trop jeu de sport, trop RPG à la suite, c'était déjà mieux. Oui, mais le problème, Mr. Ruff, c'est que... Rappelle-toi, Mr. Ruff, je l'ai déjà dit. Tu sais ce qui se passait? Il y a des gens qui allaient sur le stream de Ken pour se plaindre que je ne faisais pas l'émission comme il le fallait. Et du coup, qu'est-ce qui se passait?
Ken venait me voir et me demandait des comptes. Et je disais, mais non, mais je fais normal, enfin, je joue normal. Et il me disait, oui, mais il y a des gens qui se sont plaints parce que t'as pas trop envie de faire de RPG, t'as pas envie de faire des... Tu demandes de faire des jeux de sport, tu demandes aux gens de sélectionner. Non, ça peint, les gens, il faut les laisser sélectionner ce qu'ils veulent. Je fais, ben non. Non. Ah non, mais des sous-races. Et le pire, c'est que ces sous-races, jamais de la vie, ils sont venus me le dire devant moi. Parce que je me rappelle très bien une fois avoir dit, bon, vous savez, on m'a prévenu que bah, ça vous plaisait pas, la manière, machin, tout ça. Et du coup, quand je posais la question, bah, y a personne qui levait la main pour dire, c'est moi. Alors peut-être que ces personnes n'étaient pas là à ce moment-là, et bon, bah, ça peut arriver. Mais franchement, voilà. Ah non, mais c'était... Je vous dis, quand c'est la télé-réalité, c'était de la télé-réalité, on me jetait des cacahuètes. Il y avait vraiment des gens qui voulaient juste me voir souffrir. Mais quand je dis il y avait des gens, il y en avait peut-être 0,01%. Mais il n'y a pas besoin d'en avoir 10, 20, 30, 50%. T'as juste besoin d'avoir quelques petits grains de sel et c'est terminé. C'est terminé. Mais le problème dans tout ça, c'est que Ken, il a jamais été... ce qu'il aurait dû faire... Il aurait dû me dire, Sapin, tu fais ce que tu veux. Voilà. Tu fais ce que tu veux avec Console Mania, et puis... Enfin, ce que tu veux, dans la limite du respectable, hein, bien sûr. Mais... Si seulement j'avais pu modifier la liste... Console Mania, il serait pas mort. Il serait pas mort, en fait. Oui, Nefiz, je suis d'accord avec toi. C'est marrant, en fait, de me voir galérer. Je suis d'accord avec toi. Et dans un sens, j'aime. Aujourd'hui, je joue à beaucoup de jeux moyens, parfois mauvais, parfois bien, mais il y a un mélange. Il y a un mélange. Un bon melting pot. Mais, il faut pas que ça soit à la suite. Faut pas que ça soit à la suite. C'était trop à la suite. Ça serait mort quand même au final. Non, parce que si j'avais pu faire ce que je voulais, lors de la transition entre Gaming Live et JVTV, j'aurais absolument défendu l'émission en mode. J'aurais dit, je veux que Console Mania continue, quoi qu'il se passe, et on aurait pu faire quelque chose. Alors que à la transition entre Gaming Live et JVTV, moi j'ai dit, ouais, allez, la poubelle, Console Mania, poubelle. Et oui, certes, on aurait eu Console Mania sur le stream. Non, bien sûr que non. Parce qu'après, la JVTV, j'ai été remercié. Mais ce que je veux dire, c'est que l'émission aurait démarré en 2014. Et ça se trouve, aujourd'hui, on y serait encore. Je le ferais sur ma chaîne perso, mais j'y serais encore. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais attends, tu fais Console Mania. Oui, mais Console Mania aujourd'hui, c'est pas pareil. Et j'aurais préféré que la version actuelle, qui est la version 3.0, elle soit que ça soit la première qu'on l'ait juste façonné avec le temps au lieu de tout supprimer et tout recommencer. Voilà. Non, mais de toute façon Axeran, j'allais te remercier quoi qu'il se passait, hein. C'était le plan depuis le début, hein. Je suis sûr que c'était le plan depuis le début. Bonjour. Eh ben oui. C'était le plan depuis le début. Faire du rétro sur le stream et puis quoi encore. C'est pas ce qu'il souhaitait, hein. C'est sûr et certain. Là, JVTV, ils ont laissé. Parce qu'il y avait encore des streamers.
entre guillemets, pas trop connu. Mais après, ils ont fait le ménage. Il y a eu une transition où ils pouvaient pas faire le ménage d'un coup, je pense. J'arrive. Je finis, là je me fais tuer et j'arrive. Pourquoi c'est plus le même console mania? Alors, parce que je joue pas qu'à 2 jeux Mega Drive, plus la liste elle est plus la même, plus il n'y a plus les jokers, plus il n'y a plus de raffle. C'est quand même... J'aurais dû le dire en premier. Le fait qu'il n'y ait plus de raffle... on peut drop les jeux, c'est vrai. Même si c'est très très rare, c'est vrai. Bref, ça a changé. C'est pas la même émission. Et l'émission a été arrêtée pendant un petit moment. Après, hein, n'oubliez pas, j'ai recommencé Console Mania en 2018, le 2 avril 2018. Et depuis le 2 avril 2018, le temps entre le 2 avril et maintenant, c'est-à-dire le 7 octobre 2021, il est plus long que le Console Mania de base jusqu'à quand j'ai arrêté. Il est plus long. J'ai fait que 1 an et demi de Console Mania. À peu près 1 an et 6 mois, 1 an et 7 mois. Non, 1 an et 8 mois peut-être. Ça reste tes jeux que t'avais déjà... Oui, mais que j'avais déjà fait. Oui, j'ai refait les jeux. J'ai tout refait. Bah, Oignon, lui, Chou, c'est encore pire. Chou, il a pas fait la transition JVTV. Il s'est arrêté à Gaming Live. Donc ça, oui, ça a été encore pire. Et puis, il y a eu d'autres trucs que moi, j'ai pas vécu. Comme j'ai dit, moi, j'avais la chance... J'ai eu la chance d'être le protégé de Ken. Y a des gens, ils ont pas fait la transition. Hein. On leur a dit Gaming Live, c'est terminé. Comme ça. Hein. J'ai eu une chance de bâtard. Hein. De bâtard. Je pensais que c'était la continuité. Non, j'ai tout recommencé. Vu que les règles n'étaient pas les mêmes. Pareil, avant en jouant en easy, j'ai enlevé tout ça. Parce que je souhaitais pas spécialement rejouer en easy. Ah ouais, c'est le mort. Applause, bien sûr, applause. Bref, stop. La preuve, je joue perso lotière. Bah oui. Ouais. Et sans joker. Et maintenant, même pour te dire, on en arrive à un point aujourd'hui où on a même plus de safe state. Je m'autorise presque plus de safe state. Tout simplement parce que c'est sympa sans safe state. On vit quelque chose. Hein? On vit quelque chose. Voilà. Bref. Allez, nous, on va s'arrêter là. Je vais aller manger. Tout ça pour dire que de toute façon, oui, Console Mania, ça s'est mal passé. Mais aujourd'hui, on en est... on est... comment dire? C'est un mal pour un bien, hein, voilà, c'est un mal pour un bien. T'as pas un Everdrive qui permet le save state? Si, là, j'ai l'Everdrive là. Oui, j'utilise cet Everdrive là, qui est le Mega Everdrive X7. Il y a des save states, mais je veux pas les utiliser. Enfin, je veux plus les utiliser. Voilà. Je veux plus. Et quand je peux jouer avec le jeu original, je joue avec le jeu original. Par exemple, pour cette session, je jouais avec le jeu original. Vous savez, le jeu à 300 balles, là. 300 balles. Je vous le fais à 2000 balles. 2000 boulasses. Bien sûr.
Achetez vos jeux, bien sûr. Achetez. Achetez vos jeux. Bref, allez, moi je vous envoie chez Séjouf. Go manger. Bien entendu, juste, je dis une chose avant de partir. Tout ce qu'on a discuté vis-à-vis de Console Mania, Gaming Live, Ken Bogard, machin, tout ça, je n'ai aucun. Je n'ai aucune haine envers toutes les personnes avec qui j'ai travaillé. C'est juste que on est parti dans des directions différentes. Certes, comme toujours, avec plein de. Ah, le raid il va passer. Ah oui, quoi? Hein? Pourquoi il y a marqué raid Séjouf du coup? Pourquoi le raid n'est pas passé? J'ai fait un truc... Hein, quoi? Allô? Vous voyez le message Red Séjouf? Alors que c'est la bonne commande? T'as dû foutre un espace? Ah oui! D'accord. Bon, bah c'est moi qui ai fait de la merde. Bref, tout ça pour dire que oui, il n'y a pas de drama Enco. Parce que juste il y a rien à dire en fait, il y a pas moyen de se nourrir, ça ne marchera pas. Et si vous voulez vous nourrir, eh bien je vous pouette. Voilà. En tout cas, nous on se dit à demain. Demain on fait quoi demain matin? Je sais pas ce qu'on fait demain matin, mais vous venez, on verra. On fera peut-être du vis. Ou on fera peut-être pas du vice, je sais pas. Mais on fera quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que demain, on joue à un jeu vidéo. Donc, venez pour le jeu vidéo, si vous pouvez. Et sinon, bah, on se voit plus tard, c'est pas très grave. Là, je vous envoie chez Séjouf qui joue à Moon. Courage à lui. Et puis voilà. Voilà, voilà. Si demain, Mister F, t'es là, on joue à Is. Si t'es pas là, on joue pas. Voilà. Des bisous. Bonne soirée.